Je pense qu'on va commencer juste l'introduction, un peu comme la dernière fois. Je continuerai de prendre des présences peut-être par la suite. Alors, on commençait par l'introduction pour essayer d'avoir le plus de temps possible en discussion sur la rotation de culture. En fait, l'activité aujourd'hui est présentée dans le cadre du réseau des fermes témoins en grande culture biologique. Ça fait partie du cadre là, du projet, en fait, qu'on vise à sensibiliser les producteurs conventionnels et ceux en transition bio à s'approprier un peu les techniques en production biologique. Fait qu'on a invité aujourd'hui des entreprises là, qui sont des fermes témoins dans le projet. Qui vont venir discuter avec nous. Fait qu'on prépare une section matérielle et une section discussion. Fait qu'on vous invite, dans le fond, à interagir vraiment dans les discussions pour que vous ayez le plus d'informations possible. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez lever la main dans le bas, question Zoom. Là, il y a dans la section, si vous descendez votre souris en bas, il y a réaction, levez la main. À ce moment-là, moi, je surveille les participants puis je vais intervenir auprès des conseillers quand ils vont parler. Fait que gênez-vous pas pour le faire. Vous pouvez utiliser le chat aussi là, si Internet fonctionne et est plus au ralenti. Si vous levez la main, bien, on va vous faire poser la question directement. Fait que ça va permettre l'interaction. On va enregistrer aussi l'événement comme la dernière fois. Ça permet de mettre sur YouTube bien, plus au niveau qui est publicisé en fait sur le réseau des fermes témoins. L'activité d'herbage mécanique, dans le fond, est déjà en ligne. Fait que si vous allez sur fermetémoinqc.bio, vous pouvez voir, revisionner, en fait, le vidéo là, de la présentation qu'on a faite il y a 2 semaines. Fait que si vous ne voulez pas qu'on vous nomme, bien, juste renommer peut-être votre nom, mettons, dans l'image, puis pas activer votre caméra, fait que vous allez rester un peu plus anonyme, puis peut-être plus utiliser le chat à ce moment-là. Fait que je dois mentionner aussi que le projet du réseau Ferme Témoin est financé par le programme de développement sectoriel du MAPAC en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, une entente qui est conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Alors, aujourd'hui, on a des entreprises avec nous. On a déjà deux avec nous. J'essaie de voir s'il y en a d'autres. Il y a une chose aussi avant de présenter les fermes témoins. La dernière fois, on a parlé des herbages mécaniques. Je voulais juste vous rappeler qu'il y a les fiches. Le setup avait fait des fiches sur le désherbage mécanique. En fait, il y a une fiche par équipement. Fait que si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez toujours aller visionner ces capsules-là. En fait, ce n'est pas des vidéos, mais c'est vraiment un document papier. C'est publié sur le lien de l'activité de désherbage mécanique sur Ferme Témoin, sinon sur le site du CETAB aussi. Vous pouvez juste taper désherbage mécanique sur Google, puis vous devriez arriver sur ces fiches-là. Ça se dit. Aujourd'hui, ben, c'est ça, on a le plaisir là, d'avoir Éric Lamy, qui est de la ferme Lamy. Eux, ils cultivent avec son père Mario, qui sont là. Peut-être nous dire salut. Éric, je ne sais pas si... pour que tu apparaisses. Salut, Éric. Merci d'être là. C'est ça, dans le fond, Éric et Mario, eux autres, ils cultivent 415 hectares dans la municipalité de Yamachiche, en Mauricie. Leur entreprise, dans le fond, ils sont en production biologique depuis 2007, donc quand même avec passablement d'expérience. Leur rotation est exclusivement en grande culture, si ma mémoire est bonne, mais ils ont essayé quand même différentes cultures au fil des années. Fait que c'est quand même une entreprise là, qui a un bagage au niveau de la rotation de culture. Je vois que Geoffroy est en train de mettre les sites, les liens plutôt pour les fiches techniques de désherbage mécanique. Il y a aussi Daniel Lampron. Bonjour.
Bonjour Daniel, merci d'être là. Daniel, dans le fond, il fait partie de la ferme Y-Lampron et est également aussi président du club BioPlus, qui est le représentant en fait de tous les producteurs en production biologique là, qui sont rattachés, dans le fond, qu'on suit, ils font toute partie, sont tous membres en fait du club BioPlus. Leur entreprise est située à Saint-Boniface dans la région de Mauricie aussi. Dans le fond, on a invité Daniel parce qu'avec leur conseillère du moment, Muriel, ils ont repensé toute la rotation de culture récemment, fait qu'ils ont, ils ont quand même un certain bagage à ce niveau-là. Puis, dans sa rotation aussi, il y a les prairies qui fait une dynamique différente là, de juste grande culture. On avait invité Denis Champagne, mais il n'est pas arrivé. Fait que, aussi, après ça, je vais vous présenter l'équipe du CETAB. On a Alexandre Tourigny. Alexandre. Bonjour Alexandre. Après ça, on a Sophie Rivet-Auger qui est conseillère en Mauricie. Alexandre, il est au Centre du Québec, Mauricie. Sophie. Ah oui, t'es là. Bonjour. Salut Sophie. Oui. Donc, moi, Mauricie, Centre du Québec. Et voilà. On a aussi Charline Girouard, qui est une nouvelle conseillère qui va être au Centre du Québec. Salut Charline. Hop, ton micro n'est pas activé. On t'a pas entendu. Vas-y. Ah, ça marche pas. On ne t'entend pas. Je vois que ton micro n'est pas activé, mais tu sais qu'il est désactivé, mais je ne vois pas, je ne t'entends pas. Ben, en fait, son micro a l'air activé. Oui, c'est ça. Il doit être muté au niveau de son système, de ses paramètres de l'ordi. OK. Ben, on a Geoffroy. Pendant que tu es là, on va te présenter. Geoffroy, conseiller en gestion pour les entreprises maraîchères diversifiées, puis aussi co-chargé de projet avec moi dans le réseau Ferme Témoin. Puis il y a moi-même là, qui est conseillère. J'ai dit nommé Jean-Pierre. Non, je n'ai pas nommé Jean-Pierre. Jean-Pierre Yvon. Tu me dis salut, Jean-Pierre. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Jean-Pierre. Conseiller dans la région de la Naudière et en Montérégie. Fait qu'il est 9h, le timing est parfait. Fait qu'aujourd'hui, c'est Sophie qui va nous entretenir sur la rotation de culture. Puis en fait, Jean-Pierre et Alexandre vont intervenir aussi. Puis aussi, il y a des entreprises, là, Daniel et Eric. Je vous invite là, à intervenir tout au long de la rencontre. Juste avant, là, il y avait Paul Adam qui s'est rajouté. Bonjour, Paul. Et il y a Marc-Antoine Pelletier aussi. Fait que je vous souhaite la bienvenue à l'activité. Alors, on débute ça. Sophie, si tu peux nous partager ton écran. Bonjour, bonjour. Ah, salut Denis, bonjour. Ah ben. Champagne vient de se joindre à nous, qui est notre troisième entreprise Ferme Témoin aujourd'hui. Denis cultive dans la région de Lanaudière. La Noret, précisément, avec un 580 hectares en culture, rotation de culture allongée, comme Sophie la nommerait, avec des légumes de transformation en marché frais. Puis aussi, dans le fond, la ferme Denis, Diane et Denis Champagne ont font de la transformation à la ferme. Fait que, c'est pourquoi qu'on l'a invité aujourd'hui. Alors, Sophie, je te laisse la parole. Parfait, mais bonjour tout le monde. Donc, comme Martine l'a dit, là, aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la rotation de culture puis tous les avantages qui viennent avec ça, puis les différentes rotations qu'on voit ici là, dans notre système de culture. Fait que les différentes fermes témoins, là, je vous invite à m'arrêter à tout moment, à ajouter votre grain de sel. Même chose pour les conseillers, même chose pour les autres participants, là, si vous avez... des questions en cours de route ou vous voulez faire des compléments d'information, là, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, c'est fait pour que ce soit dynamique et que tout le monde ait sa place. Fait que comment on va dérouler aujourd'hui, c'est qu'en premier, je vais commencer par vous parler des différents services écologiques puis du principe de prévention qui est sous-jacent à la rotation.
Ensuite, comment c'est enchâssé dans la certification biologique, le principe de rotation. Les choix des cultures qui est principalement fait par des incitatifs économiques dans bien des cas. Et l'importance de bien choisir ses cultures pour avoir une rotation qui est rentable et donc une entreprise qui est durable aussi. Puis, par la suite, il y a Alexandre et Jean-Pierre qui vont venir vraiment parler de sujets plus spécifiques Alexandre au niveau de la fertilisation, mais par rapport à chacune des cultures, chacun des blocs de la rotation. Et puis, la même chose pour la gestion des mauvaises herbes puis des résidus par Jean-Pierre. Fait que les services écologiques, ça nous amène une rotation. Mais premièrement, la rotation, c'est quand même un principe agronomique là, qui est connu depuis des siècles, qui est reconnu autant par la communauté des agriculteurs que par la communauté scientifique des agronomes. C'est un principe, malheureusement, qu'on a un petit peu mis de côté avec l'avènement de l'agrochimie. Donc, l'agrochimie nous a permis de combler certains services écologiques que le système cultural pouvait nous permettre avant. Mais nous, évidemment, dans un contexte de régie biologique, cette agrochimie-là, elle est mise de côté. Fait qu'il faut revenir un peu à ces bases-là. Pour les services écologiques que la rotation nous permet, ça se situe vraiment sur trois piliers. Donc, le premier, c'est l'augmentation de la biodiversité. Le deuxième, la fertilité. Et le troisième, la lutte aux ennemis de culture. Quand on parle de biodiversité, on comprend qu'une ferme qui fait une rotation simplement maïs-soya, on comprend qu'il y a des grands, grands blocs qui deviennent uniquement du maïs, uniquement du soya. Donc, si on arrive à diversifier notre rotation, bien, on arrive aussi à segmenter notre territoire pour offrir différents habitats à toutes les communautés d'insectes, d'oiseaux, de microbes au niveau du sol, de microbes, d'invertébrés, ça nous permet une réelle augmentation des organismes qui sont présents sur notre territoire. Puis ça, cette augmentation de biodiversité-là, elle a un lien direct avec notre capacité de résilience en termes de système d'agriculture, parce que c'est cette diversité-là qui va nous permettre de passer au travers des différents chocs qu'on peut vivre au travers d'une saison et d'une saison à l'autre. L'augmentation de la diversité dans notre rotation va nous permettre aussi d'augmenter la diversité des résidus de culture. Puis ça, c'est ça qui va nourrir notre communauté microbienne puis d'insectes, d'invertébrés qui sont présents dans le sol. Au niveau de la fertilité, on comprend que différentes plantes dans la rotation vont avoir des enracinements qui sont différents. Donc, une racine de maïs est capable d'aller vraiment en profondeur, puis va aller chercher des nutriments beaucoup plus profondément dans le sol, versus une racine de céréales à paille, par exemple, qui va faire des tout petites racines, mais plutôt en surface, qui vont être très, très structurantes pour le sol. Donc, d'aller chercher les nutriments à différents endroits dans le sol, puis d'aller chercher différents nutriments selon les besoins des cultures, bien, c'est ce qui va nous apporter, pas nous apporter, mais nous permettre d'aller utiliser différentes strates du sol et ensuite d'aller enrichir différentes strates du sol par ces résidus racinaires-là, puis les exudats que ces racines-là produisent pour aller nourrir nos communautés microbiennes. Il y a aussi le fait qu'on va aller souvent introduire des légumineuses. Nous, dans notre système, c'est beaucoup le soya, les pois, les trèfles qui vont nous permettre d'aller fertiliser avec ces cultures-là qui vont nous permettre de sauver des apports de fumier. Comme je l'ai mentionné aussi, il y a certaines plantes qui vont nous amener
des services de structuration du sol. Donc, comme je disais, la céréale va nous permettre vraiment ça. Puis c'est directement la céréale, c'est vraiment ça qui va nous permettre un bon de rendement dans la rotation, entre autres parce qu'elle nous permet d'avoir notre engrais vert, mais aussi parce qu'elle a des propriétés vraiment très structurantes dans le sol. Sinon, le dernier pilier, c'est la lutte aux ennemis de culture. Donc, quand on augmente comme je disais tantôt, quand on augmente notre diversité, on augmente aussi la diversité des micro-organismes puis des insectes qui sont présents dans notre système. Puis on comprend qu'il y a plusieurs maladies qui sont plutôt fongiques et bactériennes, qui sont en fait des pathogènes qui sont opportunistes. Donc, si on a des communautés microbiennes qui sont fortes, qui sont diversifiées, bien, ces opportunistes-là, ils n'ont pas la possibilité de s'implanter à grande échelle. Il y a aussi l'aspect sur la lutte aux hémicultures, mais des mauvaises herbes. Donc, ça a été beaucoup documenté là, que simplement une augmentation de rotation de 4 ans versus une rotation de 2 ans, ça fait une augmentation considérable des populations de carabes, les petits carabées, là, puis les coccinelles. Puis ça, on sait que ces insectes-là, ils se nourrissent principalement de graines qui traînent au sol, donc nos graines de mauvaise herbe. Ça devient comme des désherbeurs naturels pour diminuer nos banques de mauvaise herbe. Il y a aussi un autre aspect qui est la variation de la période de récolte. Donc, d'aller mettons, récolter notre céréale au mois d'août plutôt que d'aller récolter un maïs, un soya en toute fin de saison, bien, ça permet justement d'aller briser le cycle de certaines mauvaises herbes et de certaines maladies juste tout simplement parce qu'on sort du champ plus tôt puis on est capable d'aller faire des contrôles mécaniques ou d'implanter des cultures de couverture qui vont être prises du tout fort. Le dernier point principal, c'est vraiment de briser le cycle de vie des organismes nuisibles. Donc, admettons un maïs sur maïs sur maïs, bien là, ça devient évident qu'on va avoir des problèmes de chrysomèle. De là, certaines technologies dans le maïs OGM qui ont le gène BT qui permettent de contrôler cette chrysomèle du maïs-là. Par contre, tout simplement en utilisant une bonne rotation, en allongeant la rotation, bien, ces chrysomèles-là deviennent un problème qui est vraiment marginal et qui est tout simplement géré directement par la rotation. Donc, les services écologiques que nous amène la rotation, ça nous permet vraiment de prévenir différentes problématiques qui peuvent arriver si on raccourcit cette rotation-là ou qu'on est plutôt dans un principe de monoculture. Donc, en bio, comme on n'a pas beaucoup d'outils pour vraiment régler des problèmes phytosanitaires, entre autres, bien, le principe de prévention doit vraiment s'appliquer. Puis la première manière de le faire, c'est vraiment en utilisant une rotation qui est bien structurée et bien diversifiée. Et ça, ça se matérialise vraiment dans le rendement. Donc ici, c'est tiré d'une conférence que Gilles Tremblay avait donnée en 2016, une étude de 4 ans qui démontre, ça ici, c'est les rendements maïs là, qui sont présentés. Donc, l'envers, on a maïs sur maïs, en bleu, maïs soya, et en blanc, maïs soya blé. Donc, on voit vraiment l'effet bénéfique de la céréale dans le système, puis juste d'augmenter d'une année notre rotation. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient intervenir avant que je passe à un autre sujet? Est-ce que c'est clair?
Personne. Oui. Alors maintenant, au niveau de la certification biologique, ben, premièrement, pour ceux qui n'auraient pas encore consulté le document, c'est de ça qu'il a l'air. Vous pouvez le trouver là, facilement sur Internet. Tout simplement en tapant le nom biologique Canada, là, ça sort très rapidement. Puis si vous avez l'adresse qui pourrait être mise dans le chat, Geoffroy, si c'en est l'occasion. Donc, le principe de rotation est vraiment enchâssé, je dirais, très profondément dans la certification. Premièrement, c'est vraiment au niveau de l'introduction. C'est un principe qui est mis de l'avant. Donc, un peu de la même manière que je l'ai présenté tout à l'heure, la certification met de l'avant les principes d'agriculture biologique qui vont, excusez-moi, là, j'ai perdu mes mots. La certification vraiment met de l'avant des principes écologiques d'agriculture et propose des méthodes pour arriver à mettre de l'avant ces principes écologiques-là. Donc, si on en fait la lecture, la fertilité du sol est maintenue et améliorée en favorisant l'optimisation de l'activité biologique dans le sol ainsi que la conservation des ressources pédologiques, donc les éléments nutritifs. La lutte contre les ravageurs, incluant les mauvaises herbes, les insectes et les maladies, s'effectue à l'aide de méthodes de contrôle biologique et mécanique et de pratiques culturales qui comprennent le travail minimum du sol, le choix de la rotation des cultures, le recyclage des résidus végétaux et animaux, la gestion de l'eau, la hausse du nombre d'insectes utiles afin d'instaurer un équilibre prédateur-proie, la promotion de la diversité biologique et la lutte écologique contre les organismes nuisibles. Donc moi, je trouvais ça important de vous présenter ça parce qu'il faut comprendre que la norme qui régit l'agriculture biologique, elle est profondément teintée. En fait, elle est basée vraiment sur des principes agroécologiques. Et puis, un des outils pour arriver à cette harmonie écologique-là, ben c'est justement la rotation. Ensuite, comment la certification définit la rotation? C'est tout simplement par une alternance de cultures dans un champ donné et selon une séquence prévue au cours de campagnes agricoles successives, donc d'année en année, de sorte que des plantes de la même espèce ou de la même famille ne soient pas cultivées de façon continue dans le même champ. Donc ça, on comprend qu'on ne veut pas avoir plusieurs années la même culture, quoique deux années successives, ça peut être toléré. La dernière fois, c'était intéressante par rapport aux vergers, par exemple. La culture en bande, les cultures intercalaires et les haies sont employées comme techniques au lieu de la rotation dans les systèmes de culture vivace pour introduire la biodiversité. Dans un système de vergers ou de framboisières ou des choses comme ça, évidemment, on peut le faire en agriculture biologique, mais on veut vraiment mettre de l'avant les cultures intercalaires et les haies pour favoriser justement la biodiversité. Et le troisième endroit où on discute de la rotation dans la certification, c'est au niveau de la gestion de la fertilité du sol. On le dit encore, la rotation des cultures qui doit être aussi variée que possible et inclure notamment des engrais, des légumineuses, des cultures dérobées ou des plantes à enracinement profond. Donc, on nous propose différentes avenues pour être capable d'introduire ce principe de rotation. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la manière que la norme introduit le principe de rotation ou par rapport à la norme tout simplement?
Non. Oui. Il n'y a pas droit d'avoir de questions. Moi, je poserais peut-être une question à Eric, à Denis et à Daniel. Avez-vous déjà lu la norme biologique au complet? Question Spring. Non, moi, d'habitude, je lis les instructions après utilisation. C'est bien. Je comprends mieux. Une fois que tu t'es fait taper ses doigts, c'est plus facile de l'intégrer, c'est ça? C'est ça. Non, mais on était bien entouré, puis à ce moment-là, fait que on n'a pas eu à voix devinette. D'accord. Éric? Ben, je pense que ça jase assez, là, et ça fait 2-3 fois que le monde en parle. Ben, tout le monde commence à être au courant que la norme a changé, puis c'est juste. Sinon, on se le fait dire par certificateur, là, c'est bien sûr. Là. OK. Puis en parlant de certificateur, dans le fond, quand vous faites votre inspection, est-ce que c'est une question qui revient, ça, de temps en temps, la rotation de culture? Pas tant que ça, non. Pas dans notre cas. Non, parce que quand on fait le tour de nos champs, puis tout qu'on présente, notre rotation est vu qu'on, entre guillemets, qu'on savait quoi faire avec ça, on n'en hausse pas. OK. Ben, ils connaissent notre plan de culture là, quand on fait l'inscription, quand on. Fait que. Ben, il ne pose pas de questions. Un peu comme Denis, je dirais, il avoue notre rotation. Fait que, il n'insiste pas là-dessus parce que, en tout cas, dans notre cas, elle est déjà là. Elle est déjà implantée, elle est déjà existante. Fait que, si ça serait une monoculture ou une rotation de 2 ans, ça reviendrait, j'imagine, dans les commentaires. Ça ne marcherait pas. Exact. Oui, c'est ça. Je sais que certaines entreprises, cette année, en 2020, en fait, qui ont eu le commentaire que 3 années de soya, de fil, c'était vraiment problématique, mais souvent, c'est comme des nouvelles entreprises qui font leur transition, fait que c'est, faut venir à bout, on va le voir peut-être un peu plus tard là, avec Alexandre, puis Jean-Pierre et Sophie, mais c'est des choses qui sont à considérer. C'est sûr qu'au niveau de l'inspection, dans le fond, habituellement, ben, soit qu'ils ne posent pas nécessairement de questions parce que c'est clair, mais il y a quand même une grosse référence là-dessus au niveau de l'inspection. Mais, tu sais, parce que aussi dans la pratique, on le voit les bienfaits aussi. Là. Tu sais, quand tu es producteur bio, si tu fais pas, si tu ne tiens pas compte de ça, ben tu pars avec une prise en partant. Là. Fait que, avec l'expérience, on se rend compte que c'est un outil important. Fait que c'est pas à négocier. Là. Fait que, non, puis ça, c'était établi au départ quand on a commencé. La décision d'aller bio, c'était pas juste de vendre du stock bio, c'était d'améliorer nos terres, fait que, comme de raison, la rotation vient avec. Excellent. Dans les fermes, c'est moi, est-ce qu'il y en a, ou même dans les autres fermes, est-ce qu'il y en a que, quand vous étiez conventionnel, justement, vous aviez des rotations qui étaient beaucoup, beaucoup plus courtes, ou vous aviez déjà cette sensibilité-là à étendre la rotation? Non. Quand on était en conventionnel, c'était assez court, merci. Maïs, soya, Floride. Et puis, là, c'est sûr que quand on fait la transition bio, bon, il y a énormément de choses qui changent, donc c'est difficile de séparer un élément de l'autre, mais est-ce que vous avez cette impression-là que quand vous avez augmenté la diversité dans votre choix de culture, ça a vraiment amené des impacts directement positifs? Ça, c'est sûr. Mais oui, on louait par la structure du sol, on louait par les rendements obtenus, on louait par la propreté des champs, même des fois, sont sans farge, là, mais en gros, les champs, c'est réussi. Là, puis ça, il y a beaucoup de ces avantages-là que vous attribuez directement à l'augmentation de la rotation. Oh oui, c'est pas 100%, c'est 150%. Et les engrais verts aussi, c'est un point bien important autre que la rotation là, pour la fertilité du sol et la santé du sol. Exactement. Ça y fait. Ouais, ça fait partie du package DI, les engrais verts. Là, c'est... De choisir des cultures qui sont plus courtes dans notre plan de rotation, justement pour être capable d'aller introduire des bons engrais verts. C'est ça. Je dirais même les prairies, ça fait du bien d'avoir des rotations plus courtes dans les prairies. C'est mieux d'avoir une prairie en rotation qu'une prairie qui dure 15-20 ans. Mm-hmm. Toi, Daniel, on va en reparler tantôt un peu de la rotation des laitiers, mais toi, tu as vu une belle différence là, quand tu as raccourci la longueur de tes prairies.
Ouais. Daniel, tu parles de raccourcir la longueur de tes prairies, mais dans les faits, c'est quoi? Tu t'en tiens à implantation plus 2 ans, plus 3 ans? C'est quoi en général? Ouais, c'est ça, 2 ans. 2 ans. Oui, on est à 2 ans. Ben, implantation plus 3, plus 2 ans, c'est ça. C'est ça. Okay. Puis ta première année, tu as une coupe. Parce que toi, tu récoltes ton grain d'habitude, là, dans ton implantation. Ouais. Soit qu'on fait une céréale grainée ou une céréale en. Ben, ça va être un orge ou des fois, ça a déjà été une céréale d'automne qu'on récolte assez tôt et qu'on va ressemer la prairie au mois d'août. Mm-hmm. Ou un avoine pois fourragé quand on veut ramasser en vert. En vert. Fait que là, des fois, on peut avoir une deuxième coupe là-dedans. Mm-hmm. Super. J'imagine, Daniel, je suppose que vous m'entendez bien, oui? Oui. Dans ta rotation, tu dis que tu as raccourci ta rotation de prairie, mais tu dois avoir un peu modifié ton mélange aussi, j'imagine. Oui. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est parce qu'on parlait de un peu comparer la rotation avec un peu de la monoculture. Là. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai cultivé, j'ai récolté des vieilles prairies. Là. Fait que autant que si tu fais un maïs soya ou juste la monoculture, bien, la prairie, t'as beau dire c'est de la prairie, ça a une bonne structure de sol, etc. Mais quand tu laisses ta prairie année après année, bien, je sais pas, tu n'as pas le rendement autant qu'une rotation courte là, de prairie. Là. Ou ta luzerne est fraîchement implantée avec les graminées. Là. Puis oui, il faut. Ben, c'est un mélange de légumineuses avec un peu de graminées pour l'alimentation des vaches là, qu'on a. Là. Mais ce ne sera pas des grands champs de luzerne aussi. Ouais, il y a bien des facteurs. Oui, Jean-Pierre. quand on parle de ça avec des producteurs, souvent, ça fait partie du discours d'essayer de réduire un peu la longueur des prairies. Ce que les producteurs nous reviennent tout le temps, c'est le coût d'implantation d'une prairie. C'est comme trop dispendieux pour descendre ça là, à 2 ans. Qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là? Ben, faut voir ça comme une fertilisation là, qui suit toute ta rotation, l'activité microbienne est active dans le fond. C'est pas une matière organique qui va être bien stable là, dans une vieille prairie. Là, tandis que là, quand tu fais tourner ta matière organique, tes micro-organismes sont actifs, sont actifs pour la fertilité et ce que Sophie a si bien expliqué tout à l'heure. Là. Fait que tu rends ton système actif et fertile. Il est dynamique. C'est ma vision de la chose. Là. Puis au-delà de ça, tu sais, toi, quand tu vois ta prairie, tu vois tes légumineuses, tu vois ta luzerne, mais quand tu vois cette luzerne-là, tu vois pas des plantes, tu vois du lait. Ouais. Dans le sens que... non, mais dans le sens que quand tu laisses une prairie aller trop longtemps... Bien là, tu as une dominance de graminées, tu as une dominance de chien-dent, ça ne fait pas du lait. C'est ça. Okay, ouais, ils n'ont pas de mérite, ces gars de lait-là. pour aller un peu plus loin, là, au niveau des mauvaises herbes, entre une prairie de 2 ans et une prairie de 3 ans, es-tu capable de voir la différence, là, de dire à partir de combien d'années la prairie va devenir problématique là, pour les mauvaises herbes? C'est-tu juste visuellement quand tu commences à avoir des trous, quand tu abaisses au niveau là, des légumineuses dedans? Quand tu reviens au bout d'une 2 ans, as-tu vraiment une différence là, de dire ces champs-là, là, la première année, j'ai presque pas de mauvaises herbes? Ou je te laisse commenter. Bien, plus on. Chez nous, là, plus on laisse aller la prairie, moins il y a de légumineuses. Fait que là, on essaie de faire des sursemis. Fait que si on ne le fait pas, les sursemis, bien là, tu vas avoir moins de légumineuses. Là, c'est le chien dent, c'est les graines. Souvent, c'est le chien dent qui va prendre la place. Avec des sursemis, c'est moins pire. Puis peut-être aussi notre choix de luzerne pour le lait, justement, là, qui fait qu'il dure peut-être moins longtemps. Là. Mais si on le laisse plus longtemps, je dirais que c'est le chien dent. Chez nous, c'est le chien dent qui prend la place. Puis j'ai déjà eu
des terres qu'on a repris, qu'on a loué, mettons, d'un cultivateur qui a toujours été en foin, là, ben là, c'est que du chien d'aide. Ben, je pense que c'était déjà marché, ces terres-là. Là. C'est que du chien d'aide. Fait que, ben, c'est ça. Fait que là, on élimine justement aussi du chien d'aide dans notre rotation, en faisant des rotations plus courtes. Puis on a plus de légumineuses. Fait que cette légumineuse-là, ben, quand on repart en maïs, ben, c'est un peu comme un engrais vert qui est là pour le maïs là, l'année suivante. Tu l'as presque dit, Daniel, mais je voulais juste... en fait, là, au niveau de tes prairies, ton mélange, là, mettons, si on compare au fameux mélange, le fameux mélange B là, du bon vieux temps, là, dans tes graminées, j'imagine que ce n'est pas juste du mil que tu mets, puis c'est des graminées un peu plus agressives, j'imagine. Oui, c'est ça. Ouais, c'est du brome, fétuque, des festilolium, master de type fétuque ou de type régra. On joue beaucoup avec ça. On essaie de trouver la recette miracle. Là. Mais on. Oui, c'est ça. On n'a pas trouvé la recette miracle. Les luzernes, on met du lotier aussi pour les zones plus humides, plus qui. Puisque la luzerne dure moins longtemps. Des fois, on a mis du trèfle rouge pour justement, parce que lui est plus agressif dans. Il va pousser partout, lui. Là. Ouais. Ben, c'est une bonne nouvelle que tu n'aies pas réussi à trouver la recette miracle, parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui, c'est ça. Regarde, Sophie, elle avait un beau sourire quand j'ai dit ça. Ben, la survie des prairies, c'est définitivement un enjeu. Là, puis, on veut tout le temps des luzernes qui vont nous donner le plus de protéines possible, protéines les plus digestibles possibles, mais finalement, la rusticité, c'est aussi important, je pense, même quand on travaille des prairies qui sont relativement courtes. Mm. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui voulaient intervenir? Parfait. Donc, je vais continuer en vous présentant les rotations qu'on fait dans le système spécialisé. Donc, c'est rien de nouveau, je pense, pour personne. Donc, on pourrait dire notre type de rotation qui est vraiment la base de la fertilité de la rotation, c'est notre céréale à paille. Malheureusement, c'est l'enfant pauvre là, de la rotation. C'est une culture qui est très peu rentable. Mais qui est définitivement nécessaire parce qu'elle a un effet, premièrement, très structurant sur le sol, le temps qu'elle est au champ. Et puis, elle sort tellement vite du champ qu'elle nous permet de faire des très, très beaux engrais verts, soit de trèfle pur, de mélange d'avoine pois ou de pois peu. Ça, c'est nos trois engrais verts chouchous là, dans notre système. C'est des engrais verts qui nous permettent d'accumuler des biomasses super importante. Quand on est plus dans les zones, mettons, Basse-Laurentide, Lanaudière, Montérégie, on va aller chercher facilement du 5 tonnes de matière sèche. Nous, dans nos régions, ce que je vois, là, Mauricie, centre du Québec, on est probablement plus autour de 3 tonnes de matière sèche. L'important, c'est de les implanter hyper tôt, là, derrière la batteuse. Là, donc, on implante directement. Encore au Colloque Bio pour tous, là, Thomas de Wavrin, lui avait fait, lui qui est en Montérégie, il avait fait un suivi serré là, de ses engrais verts, puis il estimait à chaque semaine de retard de semis de l'engrais vert, une tonne de matière sèche à l'hectare qu'il perdait là, de stock. Fait que, c'est des données qui sont peut-être à nuancer à l'échelle de la province, là, mais c'est très important de l'implanter le plus tôt possible là, derrière la batteuse suite à la récolte de céréales. La qualité de l'engrais vert, moi je dis souvent que la qualité de l'engrais vert, c'est ça qui va déterminer si on va en maïs ou on ne va pas en maïs. Si on a un engrais vert qui est vraiment médiocre, ça va nous coûter très cher de fertilisation pour avoir un maïs qui va être à plus bas rendement que si on a un engrais vert vraiment de qualité. C'est une corrélation directe. Donc, notre deuxième élément dans la rotation, qui est notre culture idéalement la plus payante,
qui est notre maïs grain. On dit souvent qu'un maïs en bas de 6 tonnes n'est pas plus rentable qu'une céréale. Oui, Eric? Avez-vous des résultats sur du maïs sans fumier cette année? Non, pas de résultats cette année, maïs sans fumier. Ah, il n'y a personne qui a fait ça, d'accord. Moi, j'ai une entreprise qui a fait avec moins de fumier. Mm-hmm. C'est pas sans fumier, mais il y avait comme pas grand-chose de différence. Il y avait comme, je pense, 200 kilos de différence entre un 4 tonnes de fumier de poule, mettons, versus 7 tonnes en deux applications, automne-printemps. OK. Mais c'est cette année. Je ne sais pas. C'est sûr que l'année prochaine, probablement plus en 2022, j'aimerais ça que faire plus d'essais là-dessus puis d'évaluer aussi les engrais verts avant, mais il faut trouver le financement pour le projet. Fait que, à suivre. Mais Martine, il ne faut pas t'oublier qu'en 2020, il a fait chaud en temps, puis quand il fait chaud, ça. On va chercher de l'argent en banque. Oui, bien c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, oui, il y a eu 200-300 kilos de différence, mais est-ce que ça va être comme ça dans toutes les années? Je ne pense pas, mais c'est pour ça qu'il faut le tester, qu'il faut continuer de tester, il faut le voir pour le croire. Est-ce que ça l'a minéralisé au-delà de la moyenne en 2020? Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord. Et pas de très peu de lessivage aussi, là, on n'a presque rien perdu. Là. Ça. Jean-Pierre, toi, t'en avais-tu des producteurs sans fumier ou réduction de fumier? Non. Pas que je sache. C'est dommage parce que ce serait vraiment des choses intéressantes là, à valider. Surtout les valider avec les types de sols aussi, là, parce que ce n'est pas tous les types de sols qui vont performer de la même façon là, face à une réduction là, de fumier comme ça. Puis ça nous permettrait des stratégies où on pourrait probablement fertiliser un peu plus là, les céréales qui manquent toujours beaucoup d'azote là, dans le système comparativement au maïs. Là. Donc, ça serait des choses vraiment intéressantes là, à regarder. En tout cas, moi, je vais avoir un bel essai chez la ferme Lamy cette année. Muriel, Alexandre, vous, est-ce que vous avez des expériences là-dessus? Pour ma part, je n'ai pas de producteurs, non, qui ont fait ça, non. Qui ont osé réduire le fumier dans le maïs. Ben, je sais que, je te dirais, le modèle, moi, que je connais, que je ne le connais pas, là, ben, parce que je ne le suis pas, mais c'est vraiment Thomas Devarin, là, les Devarin, là, c'est ça, qui ont fait des essais de maïs sans fumier, mais sinon... Qui fait partie de la régie intégrale là, en ce moment-là. Il fertilise la céréale bien comme il faut, puis le maïs ne reçoit pas très, très peu de fumier. Un peu de parcelle à dépasser. Là, il faut faire attention, c'est... Ça dépend de l'engrais vert qu'on a à l'automne, surtout quand c'est un pot fourragé. Ça fait 2 années qu'on a un automne plus frais. L'été est chaud, mais l'automne est plus frais, qui fait que la quantité là, de matière au sol est moins importante. Fait que là, peut-être que c'est correct de mettre un peu de fumier, mais encore là, le test pourrait être fait, 0 fumier. On a peur un peu, là, on en fait sur moins grand, mais c'est faisable. Définitivement. Il faut l'essayer à petite échelle, voir comment nos sols dans notre ferme réagissent. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres interventions, pardon? Oui, ben c'est parce que le fumier aussi, je pense que l'année que tu mets ton fumier, ça ne veut pas dire que tu as tous les résultats qui vont avec. Là. Je pense que c'est une grande roue qui tourne, puis tu n'as pas nécessairement dans la même année le résultat qui va avec. Mm-hmm. C'est dans le roulement du... de la terre, qu'on pourrait dire. Absolument. Fait que tu auras jamais la science peu de ça. Non, bien, c'est ça, de décortiquer exactement chacun des éléments. L'effet appartient à quel des éléments, c'est difficile. Mais quand même, on voit quand même l'effet direct des fumiers quand même sur les cultures. Parce que nous autres, ça fait 20 ans qu'on met du fumier à tous les ans, là, qu'on mette au moins 2000 tonnes de fumier par année. Hein, tu sais. Fait que l'année qu'on n'en mettrait pas, probablement qu'on ne verrait rien. Ouais. Ça dépend quel type de fumier. C'est toujours l'azote qui va aider à décomposer les fumiers qui ont trop de carbone.
C'est là la problématique. Si c'est un purin de porc, tu vas le mettre au printemps et peut-être aussi à l'automne, ça, c'est bon. Mais un fumier de poulet qui est avec de la RIP, le carbone est trop élevé, il faut que tu le mettes à l'automne. Ben, l'année de la culture, ben les chances soient moins bonnes. Mais par contre, s'il y a un bon engrais vert à l'automne, l'azote est là. Fait que l'azote va décomposer rapidement le fumier de poulet qui va générer l'azote plus tard en saison. C'est ça. Super bien verbalisé, Mario. Est-ce qu'il y avait d'autres choses avant que je passe à mon meilleur ami de CA? Non. Fait que de notre troisième élément dans la rotation, c'est le CA. Personnellement, ma plante préférée dans la rotation. Très, 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 très facile à cultiver. Pas de fertilisation. C'est une culture qui est facile à sarcler aussi. Très résiliente, elle s'adapte à peu près toutes les conditions sol, réagit relativement bien même à la compaction. Donc, c'est vraiment le morceau chouchou, là, je pense, la rotation pour la plupart des producteurs. C'est une plante qu'on a de la facilité à mettre 2 ans d'affilée, entre autres dans les thèmes là, qui ont peut-être eu un peu de difficulté avec la gestion des fumiers dans le passé puis qui se ramassent avec des taux de phosphore là, très élevés dans les sols, près du niveau de saturation ou là, des niveaux de saturation. C'est dans la rotation la plante qui exporte le plus de phosphore et aussi qui ne nécessite pas évidemment d'apport de phosphore par les fumiers. C'est pas idéal d'avoir 2 ans de soya, deux années de soya une derrière l'autre, pour toutes sortes de raisons, là, entre autres au niveau du salissage des champs, là, que Jean-Pierre va expliquer tantôt un peu, je pense. Mais ça peut être une belle solution, d'une part économique et d'autre part là, pour gérer des problématiques de surenchérissement de phosphore. Ça fait pas mal le tour de la rotation grande culture spécialisée, là, très, très standard. Ensuite, on va passer à la rotation des laitiers. Donc là, notre tête de rotation, donc notre espèce de frigidaire là, de fertilité, est vraiment basée sur des prairies à forte teneur en légumineuses qu'on va garder en récolte de 2 à 4 ans. Ça va nous apporter toutes sortes de bénéfices. On a parlé tantôt, justement, des bénéfices au niveau de la fertilité, mais il y a aussi des bénéfices au niveau de la gestion des mauvaises herbes annuelles. Le système multifauche, c'est le fait qu'on va faucher de 3 à 4 fois durant la saison, mais ça va nous permettre quand même de se débarrasser de beaucoup de mauvaises herbes annuelles qui ne vont pas être capables de se rendre à la graine. Donc, on épuise une partie de la banque de mauvaises herbes et ça nous permet aussi de ne pas en réimplanter des nouvelles. Par contre, au niveau des mauvaises herbes vivaces, là, ça peut être plus problématique, surtout les mauvaises herbes vivaces à enracinement superficiel comme le chien d'ant. Nos prairies de légumineuses, on cherche des enracinements de luzerne qui vont avoir des enracinements très profonds. Donc là, au niveau racinaire, ça peut bien compétitionner des autres mauvaises herbes vivaces en racinement profond, comme plutôt le laitron. Par contre, comme je disais, tout ce qui est en racinement superficiel, là, c'est un petit peu plus risqué, là, comme Daniel en parlait. Vraiment, le fait de raccourcir la durée de la prairie, ça nous évite une gestion du chien d'ant qui peut être hautement intensive sur les travaux de sol là, en bio, parce qu'on comprend que gérer le chien d'ant en bio, ça se fait juste avec une jachère, là, ça se fait pas avec un herbicide, évidemment. Puis comme Daniel le disait aussi, c'est très structurant pour le sol, justement d'avoir un sol qu'on ne touche pas pendant plusieurs années, puis d'avoir une diversité d'enracinement en même temps. Ça nous permet de créer toutes sortes de canaux dans le sol grâce aux racines qui vivent et qui meurent, mais aussi toute l'activité microbienne que ça apporte, l'activité d'insectes que ça apporte.
Donc, ensuite, on revient dans la même rotation là, qui avait été présentée précédemment. Donc, la prairie nous permet une excellente fertilisation pour notre maïs. Ensuite, on vient en soya, on vient en céréales pour implanter notre prairie. Comme Daniel le disait, il y a différents modes d'implantation de la prairie. On peut aller l'implanter au printemps avec une plante abri qu'on récolte en verre, au printemps avec une céréale qu'on va récolter très tôt, ou à l'automne suite à la récolte de céréales. C'est principalement les trois modes d'implantation. On peut les implanter en pur aussi, mais là, il faut être prêt à aller faucher juste de la mauvaise herbe là, puis de redonner sous le champ. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient intervenir sur les deux types de rotation qu'on peut avoir en grande culture? Alors, l'aspect plus économique de cette rotation-là pour les gens qui commencent à regarder le bio. Le soya en bio, on peut viser des rendements de 2,5 à 3,5 tonnes à l'hectare avec des prix de vente de 900 à 1150 $ la tonne. C'est sûr que le 1150 $ la tonne là, dans le soya, on s'en ennuie un peu, là, mais peut-être que ça va revenir. Dans le maïs grain, on peut s'attendre à des rendements entre 6 à 12 tonnes à l'hectare pour des prix de vente de 400 à 500 $ la tonne. Ainsi, ça l'a baissé un peu. Là. Je sais que le maïs est vendu un peu moins cher que ça. Attention. Sinon, le blé, on a quand même des grosses variations aussi là, dans les rendements. Donc, 2,5 à 5 tonnes. Des fois, ça peut monter à 7 tonnes dans le blé d'automne, les seigles hybrides. Mais faut pas se faire des faux espoirs non plus. La céréale, on va la vendre généralement entre 500 et 650 $ la tonne là, selon le débouché animal ou humain qu'on va réussir à aller chercher. Qui avait des questions sur les aspects plus économiques? Ouais, entre autres, je dirais pour les céréales, là, habituellement, c'est pas si simple que ça de faire une céréale puis après ça de penser à aller la vendre. Fait qu'essayer de fermer les contrats là, avant de semer, surtout là, pour le blé, entre autres, là, ceux qui feraient du seigle aussi, là, ou des grains mêlés, on voit de plus en plus là, de avoine poire, des choses comme ça. Faut pas juste faire ces cultures-là. Faut s'assurer là, qu'on est capable de les vendre. Là. Fait que dans le processus, faut faire nos devoirs et aller sonder le marché et essayer de trouver nos acheteurs dans les céréales avant de semer. Exactement, mais je pense que ça vaut pour toutes les cultures. T'sais, les soya, c'est peut-être plus facile de closer des contrats avec l'achat de semences, mais c'est important de le faire. Après ça, dans le maïs, la même chose, de se trouver des débouchés pour pas, puis d'avoir la capacité d'entreposage aussi là, pour être capable de... C'est d'avoir une partie, oui, qui est vendue, qui est préalablement vendue, mais une autre partie de la récolte là, qui peut permettre de saisir des opportunités de marché là, durant l'hiver, des choses comme ça. Sinon, pour poursuivre un peu sur la rotation, bien, là, les rotations que je vous ai présentées, c'est comme les rotations minimum. Mais comme on a vu au tout début, plus on allonge la rotation, plus on a d'effets bénéfiques sur notre rendement à l'échelle de toutes nos cultures. Puis si on est capable, entre autres, d'aller allonger notre rotation avec des récoltes qui sont faites plutôt en frais ou en vert, bien c'est sûr que ça change beaucoup la dynamique de notre système. Premièrement, ça a un peu l'effet comme la céréale de sortir du champ tôt, mais aussi ça nous amène des résidus de culture qui sont verts plutôt que des résidus de culture qui sont sénescents, donc qui sont morts, qui sont bruns.
Fait que ça, pour notre vie dans le sol, puis tous nos insectes bénévoles, c'est hyper important. Là. Ça amène des bénéfices super importants. Puis pour l'instant, parce que des légumes, c'est difficile à mettre en marché, on comprend, c'est du frais, c'est vraiment d'autres dynamiques. Par contre, il y a une industrielle importante dans la province qui est Bonduel, que vous connaissez probablement tous, qui offre des contrats dans le maïs sucré, dans le pois vert, le haricot, la carotte, le brocoli. C'est des cultures qui sont hyper intéressantes, mais malheureusement, elles ne sont pas à la portée de tous parce qu'eux, ils ont certains secteurs spécifiques où est-ce qu'ils vont chercher leur récolte. Mais si vous avez ces opportunités-là, c'est hyper intéressant là, d'aller allonger votre rotation avec ça. On comprend que, mettons, maïs sucré, bon, c'est très près du maïs grain, on est habitué à ça. Pois vert, c'est pas si compliqué que ça à produire, quoique ça prend quand même certains équipements peut-être un petit peu plus spécialisés. Par contre, quand on tombe dans haricots, carottes, brocolis, là, on tombe dans une complexité de régie là, assez différente. Là, fait que ça prend... Faut être rendu là dans sa gestion des cultures. Sinon, une autre voie pour allonger sa rotation ou diversifier sa rotation, c'est les marchés en émergence. Marchés en émergence, on parle d'une mise en marché qui est à votre fardeau, qui est plus compliqué, qui demande beaucoup plus de travail. Il faut s'assurer d'avoir son marché avant d'implanter au champ parce que souvent, vous êtes excellent à produire, mais après ça, quand ça vient le temps de vendre, c'est vraiment plus compliqué. Donc, les avenues à l'heure actuelle sont au niveau, je pense, du tournesol et des pois. Ça, c'est deux cultures, je pense, qui vont quand même prendre leur envol dans les prochaines années. Comme Jean-Pierre en a parlé un peu tantôt, le pois fourrager pour faire de la semence d'engrais vert. Dans certaines régions du Québec, le champ, ça fonctionne très bien. Puis des cultures qu'on risque de voir aussi là, de plus en plus au Québec dans les prochaines années, ça risque d'être chia, quinoa aussi. Puis comme je vous disais, le plus compliqué dans cette diversification-là de la rotation, c'est vraiment la mise en marché du grain. Oui, Alexandre, tu avais une main levée? Oui, ben en fait, c'était peut-être pour voir un peu, ben là, je comprends qu'on ouvre une parenthèse par rapport aux cultures en émergence, mais ce serait peut-être intéressant d'entendre parler de nos fermes témoins sur ces cultures-là, lesquelles ont été tentées, puis comment ça s'est passé. Oui, absolument. Denis? Ben, nous autres, chez nous, comme avec Bonduel, à part que les carottes, on les fait toutes. On a eu la chance de commencer quand ils ont développé le bio, fait que on a eu comme une priorité, mettons, sur les premières fermes. Fait qu'on a les grandeurs qu'on veut, puis à peu près toutes les sortes qu'on veut. Ça, c'est une chance qu'on a eue. Mais c'est ça. Se lancer là-dedans, c'est bien important de savoir ce que tu t'en vas et ta mise en marché, parce que c'est pas évident. Autant que ça va bien, puis autant que ça va mal. Denis, tu voudrais-tu nous dire c'est quoi ta rotation, toi, ou certains blocs de ta rotation, parce que tu as probablement des rotations à plusieurs cycles, là? Oui, bien, mettons, nous autres, là, mettons qu'on commence par l'année 1 du blé, exemple. Là. Après ça, bien, ça nous amène à faire du maïs ou des légumes après le blé. Parce que là, on commence, même les pois, on commence à les implanter dans un retour de blé avec un engrais vert. On pense qu'on va améliorer. Quand on avait commencé, on avait commencé de même. On avait eu des bons résultats. Puis depuis qu'on mettait les pois dans un retour de maïs, depuis ce temps-là, que ça flotte notre affaire. Fait que on s'en va vers ça. Ça reste à prouver. Là. Ça va être notre première année qu'on retourne là-dedans. Là. Après ça, suivi ça, c'est... Après le maïs, mettons, ça va être du soya. Mais après les légumes, on revient en blé pour revenir en maïs. En maïs grain. Après ça, du soya, puis là, tu reviens. Le blé, puis... Ouais.
C'est de même que ça stream chez nous. Denis, faites-vous deux années de soya consécutives ou habituellement vous en tenez à une année? Ou ça non, peut... c'est, ça va m'arriver à part que des fois un coro, que ça donne de même, là, mais un petit coro, là, mais on n'a jamais eu de gros succès. Ben, chez nous, ça, c'est notre le soya, c'est la plante qu'on a plus de misère à se démarquer, mettons. Le mieux qu'on fait, c'est comme tout le monde, puis de temps en temps, tu prends en bas. Parce que nos terres sont légères, puis on dirait que le soya est moins vigoureux un petit peu d'intérêt légère. Là, je te dis pas qu'on est à moitié du rendement des autres, mais toujours un petit 1,2 tonnes moins que la moyenne. Quelque chose de même. Là. Mais là, en 2020, là, on a obtenu d'excellents rendements, mais ça arrive une fois par 10 ans. Puis Denis, toi, tu avais. Ah oui? Denis, parle-nous donc, je pense que tu as déjà fait du chanvre. Oui, ça, le chanvre, c'est toutes des belles plantes, là, mais la journée que il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a eu une mise en tente, une mise en marché, dont il arrive n'importe quoi, une maladie, ça se complique dans le silo, quoi que ce soit, ben là, tu couches avec. Tu as besoin de mes chanvres parce que vous faites en manche. Ouais. Mario, Eric, je suis pas mal sûr que vous avez quelque chose à dire aussi. Nous autres, on a de l'expérience. Là. On avait mangé des années de suite. On a fait tout le champ d'outils à quelques années là, consécutives qu'on a fait. Puis les rendements, là, c'est correct, mais nous autres, c'est important de récolter pour le grain et pour la fibre. Mais ça n'a jamais décollé cette affaire-là. Là. Oui, c'était plus un projet, puis une année, ça s'est bien vendu, une année, on n'a pas récolté, une année, ça s'est mal vendu, puis une autre année, on l'a laissé en silo, puis on a fait un tas d'or. Fait que c'est pas la moyenne, c'est pas de la mal, ça. C'est dur à battre que le Chris, hein? Non, mais ça, nous autres, ça avait été pas pire, tu sais, c'était la mise en marché, un moment donné, je sais pas, ça s'est compliqué en haut, puis là, quand ça se complique au niveau de l'acheteur, là, il trouve toutes sortes de troubles à ton champ, puis là, ça finit, tu cours avec. Mm-hmm. On avait le même acheteur, d'après moi. Et si ça se développe, c'est intéressant parce qu'il y a un marché pour la graine, pour la fibre. Et si les deux payent, Caroline, ouais. C'est une tente intéressante de la mettre dans une rotation. Là. Ouais, mais ça manque de sérieux pour tout de suite. C'est ça. C'est la même affaire pour moi. J'avais fait un petit essai. Déjà, la variété qui avait été proposée, c'était pas la bonne au début. Ça fait plusieurs années, c'est avant. Voilà. Ben, tu commences de même. Là, moi, je me suis rendu compte que ça n'avait pas sa place chez nous. Là, fait que j'ai arrêté tout de suite. Parce que c'est une culture qui est particulière. L'entreposage est particulier. Puis après ça, tu as le marché qu'il faut qu'il soit développé. Là, mais à part le marché, avant ça, il faut que tu aies organisé pour bien récolter puis entreposer. Mais tu sais, quand le chèque est là, tu vas prendre les moyens qu'il faut. Puis... Ouais. Si tu n'as pas le chèque, tu ne tombes pas assez vite. Là, tu manques d'idées, c'est pas long. Ouais, c'est ça. Comme moi, j'ai fait de l'épaule pendant plusieurs années. J'avais toujours le même acheteur, stable, puis toujours le prix, puis toujours il venait chercher dans des. Puis il payait dans des délais raisonnables. J'ai fait de l'épaule. À un moment donné, il m'a averti une couple d'années d'avance. Je vais arrêter. Quand il a arrêté, je l'ai fait quand même, pensant à vendre mon épaule ailleurs, puis j'ai fini par la donner aux vaches 2 ans plus tard. Parce que la Milanaise, c'est la Milanaise l'acheteur principal. Là. Ouais. Fait que ça, c'est des petits marchés en bio, il y en a beaucoup. Là. Ça, j'ai vécu ça une couple de fois comme ça. C'est des petits marchés. L'orge brassicole, là, nous autres en Mauricie, on a quelqu'un qui a poussé pour les développer ça dans les microbrasseries du Québec. Mais tu sais, c'est un petit marché là, pour notre région. C'est intéressant, mais tu sais, c'est pas comme le soya. C'est pas... Je pense qu'une entreprise doit avoir, mettons, 90% de marché sûr, là, du maïs, du soya, du blé. T'es jamais mal pris que ça. Puis après ça, ben, tu peux te zigonner dans ces affaires-là, mais va pas faire une grandeur terrible parce que tu vois, ça se peut t'en pleurer beaucoup. Comme là, en passant, là, j'ai eu un appel hier de l'aliment Trigone. Ils cherchent du sarrasin noir. Ils donnent des contrats à 1 000 $ la tonne. Fait que s'il y en a que ça les intéresse, je sais pas quelle quantité. Ah, oh, il y en avait là. Nous autres, ils nous en plient. Il y en avait. Mais là, nous autres, on se serre l'avant.
C'est un peu ça, là, aussi, la question, c'est que, tu sais, dans le fond, je ne sais pas, Martine, tu pourrais peut-être me corriger, mais je ne sais pas s'il y a des producteurs dans le groupe, là, dans les producteurs à qui la formation s'adresse, là, qui n'ont peut-être même pas l'opportunité de faire du maïs dans leur rotation. Là. Je me demandais si il y en avait aussi qui avaient essayé justement le sarrasin en régie bio parmi nos fermes témoins. Je n'ai jamais essayé. Ah, bien sûr, en fait, chez nous, là, mais on fait ça sur des coins de terre que pas vraiment d'autres choses qui poussent. Parce que quand tu mets ça dans la belle terre, je ne sais pas pourquoi, mais ça. C'est une grande plante, c'est tout. Pas de grain. Tandis, il y a des petites terres pauvres, là, t'as une petite plante avec du grain à plat, puis de temps en temps, une année de temps en temps, t'as rien, mais en tout cas, ça n'a pas coûté cher. T'sais. Autrement dit, ce que tu dis, Denis, c'est que quand tu as une terre, entre guillemets, en bonne condition, qui a une bonne fertilité, ouais. Une plante qui va pousser en guillemets en orgueil, puis elle ne fera pas... Chez nous, ça pousse en orgueil. Je ne vois ailleurs comment ça se passe, mais chez nous, ça pousse en orgueil. Puis, tu te retrouves-tu, as-tu déjà eu l'expérience, tu as sûrement fait de l'expérience, puis est-ce que ça devenait comme une mauvaise herbe éventuellement? Ou, non, ça, on n'a jamais eu à se défaire de ça. On a eu de la misère à se défaire de ça. C'est... Non. Non, OK. C'est pas un problème. Il y avait Jonathan qui voulait poser une question. Jonathan qui nous a dit des mensonges. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'aurais une petite question, dans le fond, parce que j'ai moins l'opportunité de faire du maïs grain là, par rapport aux distances avec les voisins et tout. Je me demandais, ceux qui ont déjà fait des légumes avec bon duel, sans donner de chiffres, mais côté rentabilité, là, ça ressemble à quoi par rapport au maïs soya, mettons? C'est parce que la rentabilité avec bon duel est sur deux tableaux. Bon, tu as un revenu à l'hectare, je dirais. Mettons le maïs sucré et le maïs grain. Le maïs grain, il est plus payant. Mais par contre, aussi, quand je dis deux tableaux, c'est que ça t'emmène le maïs sucré, tu peux semer du blé par en arrière. Tu peux refaire ta rotation. Ça l'emmène. Ça finit de bonne heure, puis l'argent rentre tout de suite aussi. Ça. Tu peux repartir avec du blé, puis là, repartir avec un engrais vert, puis tandis que le maïs grain, ben là, tu t'en vas au soya après. Oui, c'est ça. Ça amène des avantages au côté fertilisation, autrement dit. C'est ça. Puis nous autres, tous les produits bon duel, nous autres, on en profite pour ensemencer du blé. Fait que ça fait assurément un beau blé l'année d'ensuite. OK. Puis généralement, le blé d'automne, ça répond bien chez vous, là. Oh oui, quelqu'un qui aide pas, je sais pas quoi, là, c'est correct. Okay. Sinon, comme autre culture, il y a du haricot sec. Je ne sais pas si Haribec donne encore des contrats. C'était pas très payant, mais c'est intéressant comme une culture qui se récolte tôt aussi là, pour après ça semer un blé d'automne. Moi, je sais qu'il y en donne des contrats. Comment, je ne sais pas. Là, mais... On a fait 2 ans, 3 ans. Le prix. Parce qu'à un moment donné aussi, ça demande de la machinerie spécialisée. Ça devient plus cassé un peu. Le problème, c'est que le prix n'est pas là comparativement au soya. Le soya est plus payant pour la peine. Oui. Là, tantôt, on parlait là, de sarrasin, que ça peut devenir une mauvaise herbe. Mais nous autres, on a semé en chambre, et puis là, on l'a comme mauvaise herbe, et ça ne lâche pas, ça revient tout le temps. Ah ouais. Il faut faire attention à ça. Ça fait combien d'années que vous avez arrêté le chambre, Mario? Ça doit faire le dernier dans ce champ-là, je te dirais 6 ans comme il faut. Et puis, depuis là, ben, il pousse et puis il se ressème. Fait que là, je ne sais pas juste ce qu'on va faire avec ça. Souvent, c'est dans le maïs qui pousse, là, puis ça vient, ça dépasse le maïs, ça, cette affaire-là. Là. Et puis, ça fait de la graine, comme on t'a dit, ça recommence les autres années. Oui, j'ai jamais vu un plant de cœur poussé. Ça dépend des variétés. On a certaines variétés qu'on a eues, qu'il n'y a pas de problème. Mais il y en a une, entre autres, là, que dans un champ particulier que... Elle, quand on l'a semé, la vigueur n'était pas bonne, fait qu'on a abandonné le champ. Par contre, il y en a poussé quelques-unes qui ont grainé. Et puis, par après, ben là, la vigueur était tout le temps bonne. Puis, c'est assez vigoureux. Y a-t-il des variétés hybrides là-dedans? Oui, il y a monoïque et dioïque, il y a les deux. Tu peux tomber là-dessus, parce que ça là, comme ça ne se reproduit pas vraiment hybride, je pense. On a que ce n'est pas reproduit du tout, mais on a une, laquelle c'était, je ne sais pas, là. Mais lui, il se reproduit. OK.
Hybride ou non hybride, c'est pas ça qui va faire qu'il se reproduit. C'est vraiment une caractéristique de la variété. Est-ce qu'elle a le potentiel de faire une graine dure, donc une graine qui ne germera pas la première année puis qui a besoin d'un cycle d'hivernation, ou c'est des graines qui vont mourir à l'hiver. Cette famille-là, il y a vraiment énormément de diversité dedans. Là, puis c'est ça qui... C'est ça qui fait la différence, exactement. Puis, les variétés ne sont pas très, très bien connues par les gens qui vendent ces contrats-là, malheureusement. De plus en plus connus, mais... En tout cas, au moins 0,0000 trop avec ça. Mm-hmm. Ben, tant mieux. Mais ça dépend de la hauteur qui vient. Quand il est comme du finot là, tu es à 4 pieds du sol, ça se bat bien, c'est pas de problème, mais quand il est plus haut que le maïs, il fait 10 pieds de haut, là. Ça, je pense que c'est ça, le premier que tu as nommé. C'est ça, ça avait 4-5 pieds de haut, mon affaire. Ah, c'est ça, non, mais ça sort bien. C'est un peu comme du lin, si tu veux. Mais quand le plein est haut, là, c'est là que whop, là, ça s'entortille dans le bateau, c'est partout, ça a envie de prendre feu. Oui, c'est ça. Non, j'ai pas vécu ça. Puis c'est pour ça que, du point de vue technique, j'ai trouvé le change. Que ça allait quand même assez bien. C'était juste la mise en marché. T'as juste moins de rendement dans ça, mais c'est plus facile de récolter du finot, là. Oui, mais ça m'avait donné 2 tonnes passées à l'hectare. Tu sais, c'est pas si pire. Ah, quand même, c'est bon. Ah, oui, il était beau comme le yacht, mais c'est ça. C'était pas vendu. C'est ça. Il y avait une question sur le clavardage concernant... Est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience avec le chia? Sophie? Ben moi, j'ai fait tout ça seulement dans des petits carreaux là, expérimentales. Je l'ai vu à l'IRDA aussi. C'est une micro-graine, là. T'sais, la graine, c'est gros comme une graine de trèfle, à peu près. Fait qu'au niveau du battage, là, c'est sûr que ça va prendre des équipements qui sont différents. Par contre, t'sais, c'est une plante qui peut avoir des rendements de 1 à 2,5 tonnes à l'hectare. Puis le développement de la semence là, a été fait par l'Université du Kentucky. Par contre, eux autres, ils sont hyper protectionnistes sur leur variété. Puis, pour l'instant, là, c'est pas possible d'acheter l'obtention pour la produire ici au Canada. Fait que, c'est soit qu'il y a un groupe qui va développer une semence qui va permettre une floraison, là, puis une maturation dans notre période de culture. Parce que les variétés qui sont disponibles qui sont disponibles sur le marché, tout simplement de la semence, ben c'est pas des variétés qui fleurissent ici dans notre période. Donc il y a vraiment un effort variétal à faire là, avant qu'on puisse la faire, ou sinon qu'il y ait un fin négociateur qui réussisse à aller acheter les obtentions là, au niveau des États-Unis. Et tu sais-tu s'il y a eu des tests sur le désherbage mécanique là-dessus? Sur ah, cette oui. culture-là, sur le chia? Oui, bien, entre autres, à l'IRDA. C'est une plante qui est très, très, très... Même si c'est une micro-graine, c'est une plante qui a énormément de vigueur, qui se développe généralement avec juste une tige, mais qui fait énormément de feuillage. Fait que c'est très compétitif. Moi, je l'avais faite dans une parcelle là, infestée de souchets. Et puis, toutes mes autres plantes qui étaient à l'essai là, dans cette parcelle-là ont été envahies complètement. Puis le chia, c'est vraiment celui qui a surpassé tout ça, là, qui a complètement dominé. OK. Il y a une autre question qui est apparue. Est-ce qu'il y a des contrats avec le Camut qui existent ou avez-vous déjà entendu parler de cette culture-là? Dans le Camut. Je ne sais pas si c'est souhaitable de le faire pousser ici. Ça ne demande pas un climat très sec, ça. Exact. Moi, c'est les échos que j'avais eus, entre autres, là, des abeilles de Vachon, là, le blé corassant ou le Camus. Le Camus, c'est comme son nom trademark. Elle, ce qu'elle en dit, c'est que, exactement, c'est quelque chose qui pousse vraiment mieux dans les prairies. Ça serait vraiment très maladif ici. Par contre, j'ai discuté avec des gens dans Charlevoix qui en ont fait pousser et ça a bien fonctionné. Fait que je ne sais pas trop quoi en penser. Essaye, puis tu verras.
Moi, j'en ai battu chez un voisin. Mais pas, comme, moi, je trouve que ce que tu as dit, Denis, tantôt, là, c'est comme, comme on dit, c'est la vérité de la liste. Là, c'est ne pas risquer toutes nos superficies. Peut-être l'essayer, le genre de culture que là, l'essayer sur une petite superficie, c'est intéressant. Mais moi, j'en ai vu quand même. J'ai peut-être pas 40 ans d'expérience, mettons, comme Denis Lafrance, mais assez d'années pour voir que les producteurs qui ont fait des transitions, qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup de superficie en essai ou en plante, là, qui n'avaient pas des débouchés de marché plus ou moins connus, c'est sûr que ça met en péril la santé financière de l'entreprise. Je pense que c'est fait. En guillemets, on est peut-être plate, en guillemets, dans le sens qu'on on parle de rotation et qu'on dit que c'est important. Mais par contre, on s'en tient assez souvent une rotation assez courte parce qu'on y va avec les valeurs sûres. Fait que, tu sais, mais ça ne veut pas dire que les autres, ce n'est pas intéressant, mais je garderai en tête c'est ça, le commentaire à Denis de dire que c'est intéressant, mais faites-le, mais en essai. C'est belle valeur à dire. T'sais. On a bien beau avoir des valeurs de structure de sol, d'environnement, mais le chef de file dans notre système capitaliste, c'est le rendement. C'est le banquier. Le banquier. Éric, tu voulais rajouter quelque chose, je pense? Oui, pour en finir avec le Camus, j'en ai battu en agri-nature chez un voisin. Puis, c'était pas vergeux. Il y a un intérêt boulanger pour ça, là, pour la farine. Là. Ceux qui veulent faire des pains là, plus spéciales, là. Fait qu'il y a des protéines dans ça qui se retrouvent pas dans les pâtes puis dans le blé. Puis... Ben, c'est très, très, des petits volumes. Mm-hmm. Ça a été fait en 2020. Ça pourrait encore là, l'année moyenne, là, c'était sec. Fait que... Ah, c'est sûr. Mais c'est pas ça. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur la diversification des cultures puis les différents enjeux de mise en marché? Ben, il y a peut-être juste le tournesol là, qu'on n'a pas abordé, mais tu sais, peut-être juste peut-être avoir un commentaire de quelqu'un ou pourquoi c'est fait ou pas fait. Je sais que Sophie, toi, tu suis des producteurs qui en font. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé le tournesol? Non. Dans notre région, il y a eu M. Champagne qui en a fait plusieurs années. Puis, il a laissé l'aspect biologique. Je ne sais pas ce qui se passe, c'était trop dur. Je ne peux pas dire que c'est une plante qui est très difficile à cultiver. C'est une plante qui demande peu de fertilisation, qui réagit très bien à la pression de mauvaises herbes. Tu sais, un chansal, elle est très compétitive et combattante. Son enjeu, c'est vraiment la sclérotinière. Donc, dans une rotation de soya, mettons, on a un an ou deux ans de soya dans la rotation, là, la sclérotinière devient vraiment un gros frein au rendement. Là. C'est assez catastrophique qu'est-ce que ça peut faire à un champ. Par contre, on a des alternatives, entre autres avec le contents. Donc, on sait que si on applique un contents à l'automne en précédent et au printemps avant l'implantation ou en post-levée, ben on a quand même un bel effet là, de répression. Par contre, c'est pas parfait, puis on met un peu en péril notre soya aussi en augmentant nos populations sclérotinières. Il y a quand même des enjeux là-dedans, mais sinon, en termes de rigide culture, ça sert comme du maïs. On peut le voir vraiment comme une gestion maïs avec une fertilisation à moitié moindre. Au niveau du battage, ça se bat assez bien aussi. Des modifications mineures là, sur la batteuse, mais sur le nez du maïs, dans le fond, le nez à maïs. Côté entreposage, ça s'entrepose bien, ça se récolte très, très sec, là, puis ça se baisse à 8% d'humidité aussi, là, fait que l'entreposage au silo se fait très, très bien, c'est juste séché à l'air. Après ça, bien, c'est sûr que l'enjeu, c'est la mise en marché,
moi, mes producteurs qui le font, c'est qu'ils sont directement en contact ou qu'ils sont eux-mêmes transformateurs. Les variétés qu'on fait sont dites oléiques, donc c'est vraiment pour de l'huile là, qui est résistante à la chaleur. Là. C'est pour faire de l'huile de cuisson. Fait c'est ça. Pour l'instant, les marchés, c'est vraiment ça. Par contre, il y a aussi tout le marché du tournesol de confiserie là, qui est comme les graines de tournesol qu'on mange au baseball. Ça, c'est un marché qui est très fort dans l'Ouest, qui est très fort aux États-Unis, mais ici, on ne l'a pas développé. Fait que c'est à quelque part des opportunités de marché, mais c'est aussi des efforts de développement de mise en marché. Mais en tant que tel, c'est une culture qui se cultive très, très bien. Puis c'est une plante qui est très performante. Là. Au niveau des unités thermiques, ça ressemble-tu au maïs ou c'est. Oui, c'est sûr qu'on choisit des variétés qui sont précoces ou très précoces. Mais oui, tu sais, mettons, j'avais un champ l'année passée à Bromont, derrière la montagne, on est probablement à 2350, là. Fait que, tu sais, ça sort du champ après. Dans le fond, on le sème après avoir fini de semer le maïs, puis on le récolte après la récolte de maïs. Mais les revenus à l'hectare valent-tu le coup de se baser de ça, mettons? Bien, ça dépend du contrat, évidemment, là, avec la huilerie que sélectionnée, mais c'est un petit peu inférieur au soya, ce que j'en comprends. Là. Juste pour une autre, peut-être, culture, on n'a pas abordé beaucoup le pois fourrager. On le sait que c'est une culture qui est bien populaire comme engrais vert, le fameux pois 40-10. Là. Moi, demain matin, je veux semer du pois fourrager chez nous. Là. C'est-tu quelque chose qui est facile? Ou ça demande des équipements spécialisés? Faire un peu de temps là-dessus. Là. Incroyable, en tout cas. Ouais. C'est pas évident. Moi, je suggère aux producteurs qui sont dans le transition de faire du pois fourrager. La nature de ce pois-là, le 40-10, là, il se couche avant la récolte. Puis à ce moment-là, dans des champs qui sont en bio depuis un certain temps, les mauvaises herbes vont passer au travers là, de la culture. Puis ça va être bien sale, là, mais bien, bien sale. Puis à la limite, plus ramassable à la fin, là, plus battable. Fait que c'est pas quelque chose d'évident. Puis au niveau prix, ça vaut pas nécessairement un soya qui va être pas mal plus facile à faire. Fait que on dirait que c'est plus une plante à faire en transition. En transition, c'est comme assez merveilleux là, ce qu'on peut faire avec cette plante-là. On n'a pas beaucoup de mauvaises herbes et il n'y a pas beaucoup de différence entre le produit bio ou le produit non bio. Là. Relativement facile à vendre encore. Là. Il y a comme une augmentation là, dans la demande de cet engrais vert-là. On voit là, que le conventionnel est rendu acheteur là, du produit, parce que ça fait vraiment des beaux engrais verts. Pour le ramasser, habituellement, les producteurs qui en font se mettent des doigts releveurs là, sur la batteuse. Fait qu'on récolte ça directement au champ avec les doigts releveurs, parce que souvent, ça va tout coucher où il y a des parties de champ qui vont se retrouver à peu près à 2 pouces de haut là, au niveau de la récolte. 2 pouces, c'est généreux. Chez nous, c'est incrusté. Incrusté dans le sol. Mais t'as une batteuse à haricots, ça va bien dans ce temps-là? Non, on n'a pas de batteuse à haricots. Fait que c'est ça. Quand on est rendu bio, elle devient problématique, là. La plante, parce que elle est très compétitive tant qu'elle est debout, mais quand elle couche, là, elle laisse de la place aux mauvaises herbes.
Est-ce qu'on a introduit avec du blé, donc, de l'avoine, quelque chose? C'est moins pire, je pense. Hein? Elle n'est pas faite encore, ça. Oui, ben, ça dépend tout le temps de la quantité de céréales qu'il va y avoir dans le mélange et si ça tient debout. Puis la minute qu'on veut forcer un peu là, sur le mélange pour être capable d'avoir plus de poids, la céréale va coucher aussi. Là. C'est quoi la recommandation là-dedans? Ben, quelqu'un qui voudrait se faire, mettons, une recette pour faire ses engrais verts ou dans produire pour d'autres, j'ai tendance à mêler le pois fourrager avec de l'avoine fourragère qui va faire vraiment un beau mélange là, pour pour engrais verts. Puis, habituellement, un poids fourrager à peu près à 30 % du mélange. Là. 30 % de poids? Oui. Si on monte à 40, d'après moi, au-dessus de 35-40 %, là, on va retrouver le champ à terre. Puis le champ à terre, bien là, ça dépend comment ça va aller. Il y a des champs qui ont le plus argileux, qui ont un peu moins de mauvaises herbes, puis l'avoine a eu le temps de se tenir un peu, puis ça finit qu'on est capable de le récolter, puis ça retient les mauvaises herbes, puis il y en a d'autres là, que ça va carrément en terre, puis là, les mauvaises herbes passent au travers. Quand les mauvaises herbes passent au travers, c'est là que ça devient difficile là, au niveau de la récolte. Là. Vous voulez mettre 30 % d'avoine fourragée dans le champ? Oui, tu vas avoir du poids. C'est ça qu'on veut, avoir du poids, mais on y mettra la béquille. Oui, la béquille, ça y en donne un peu, mais ça se peut qu'il tienne à plus comme à 3-4 pouces là, dans les airs. Fait que plus facile à battre. Oui, c'est ça. Plus facile à battre, mais tu vas avoir de la mauvaise herbe là, qui va s'en venir. Quand on réussit à avoir un 3-4 pouces, puis on a une endaineuse, puis on l'endaine, mettons, tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps, puis tes mauvaises herbes, ils n'auront pas pris le dessus. Ça va vite, les mauvaises herbes, là, on le voit un petit peu comme, c'est comme dans le soya, là. Le soya perd ses feuilles, tout d'un coup, tu perds le champ, là, à cause des mauvaises herbes, parce que là il pousse. C'est la même chose avec le pois, on ne voit pas trop de mauvaises herbes, puis tout d'un coup, le champ se couche, il commence à jaunir, là, les mauvaises herbes passent au travers. Mais quand on est capable d'aller l'endonner puis qu'il se tient un peu dans les airs, parce que l'endonneuse, ça aussi, là, c'est un défi, parce qu'une endonneuse, c'est pas comme une batteuse à une table à soya, là, elle ne vient pas s'accoter à terre puis rester là. C'est le producteur qui décide de la hauteur. Mais là, décider d'une hauteur quand c'est à un demi-pouce du sol, c'est pas facile là, avec une endonneuse. Non. Quand c'est à 3-4 pouces, on ne laisse pas trop de poids au sol, mais à un pouce du sol, on en laisse pas mal. Là. Oui, en une endonneuse, c'est trop large. D'un poids, j'ai fait endonner par un de mes voisins qui a une petite faux de 10 pieds ou 11 pieds. C'est lui qui vient à bout. OK. Il y avait Muriel qui voulait intervenir. Là. Elle a demandé des questions par expérience. Je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro, si les questions ont été répondues ou si tu voulais rajouter d'autres choses, Muriel. Oui, je faisais d'autres choses en même temps, comme mon naturel. Non, je voulais savoir, Jean-Pierre, c'est tant qu'à poursuivre là-dedans, casser du poids jaune ou autre poids, parce que dans le fond, là, c'est ça, moi, ce que je disais, c'est que du poids fourragé, effectivement, au-delà de 30 % ça couche, là, tu sais, par expérience, là, quand ceux qui faisaient du grain mélangé, c'est toujours ça qu'on voit. Mais quand c'est quelqu'un prend un autre poids, là, comme on voit le poids à Mario, etc., le mélange n'est pas pareil, puis peut-être l'option serait plus intéressante là, pour produire du poids. Oui. Effectivement, c'est beaucoup plus facile si on prend un poids jaune pour être capable de faire des récoltes intéressantes. La problématique du poids jaune, c'est le marché qu'on va avoir avec ça, qui est très différent. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui vont racheter ça pour les engrais verts. Là. Quand on regarde le poids fourrager engrais verts, son prix là, est probablement aux alentours de 700.
Tandis que si on tombe dans le pois jaune, on va tomber avec un prix qui va être probablement plus dans le coin de 400-450, là, un mélange avec du blé. Là. Fait que c'est toujours voir qu'est-ce qu'on va avoir comme opportunité là, au niveau des marchés. Ça se développe, le pois jaune, c'est peut-être quelque chose d'intéressant, beaucoup plus peut-être pour la partie, on a une céréale d'automne qui a plus ou moins aimé son printemps. On peut venir combler là, les trous avec un pois jaune puis avoir un marché un peu pour ça. Encore là, c'est pas des marchés qui sont bien faciles à trouver actuellement. Là. Ça se peut qu'ils faillent le criblé. C'est pas évident, mais c'est beaucoup plus facile à battre. Puis c'est quelque chose qui va sûrement se développer. Le pois jaune, c'est tout le côté là, d'alimentation humaine là, qui est en train de se développer. Fait que, il y a probablement de l'avenir là, au niveau du pois jaune, mais on va-tu être en avant de la parade ou en arrière? Là, ça dépend de chaque producteur là, par rapport à ce qui va se faire. Avant de prendre la pause, ouais, c'est ça, je voulais vous inviter, M. Lucier. Je pense que vous aviez une question. Après, on va prendre la pause. Oui, bien, au niveau des unités thermiques, au niveau du pois jaune, est-ce que c'est prend beaucoup d'unités thermiques? Puis ça, c'était la question pour le pois jaune. Puis il y avait le pois fourrager. Mais moi, juste mon expérience, c'est qu'après plusieurs années de prairie, j'avais fait un champ de pois fourrager pour la semence, puis je ne sais pas si c'est un hasard, mais suite au pois fourrager, l'année suivante, le champ était pourri à Morel. Fait que je ne sais pas si ça a un rapport ou pas. Parce que les grains de pois fourrager et puis un grain de Morel sec, ça se ressemble beaucoup. Là. Je ne sais pas si c'est un hasard. Donc, il y a des réponses là-dessus. Je vais laisser Sophie, mettons, pour elle a des projets là, au niveau du... au niveau du pois jaune, fait qu'elle va pouvoir parler pas mal plus au niveau de ce que ça prend comme climat pour faire ça. Puis pour le pois fourrager avec la morelle, c'est sûrement un hasard. Mais de faire un pois fourrager après une prairie, c'est sûr que c'est beaucoup d'azote là, pour une culture qui n'en a pas besoin. Là. Muriel, elle voulait rajouter quelque chose. Oui, dans le fond, selon l'expérience que j'ai, là, c'est sur ce qui peut être arrivé par rapport à la morelle, c'est simplement le choix puis de la semence. Là. Ça peut arriver que votre semence était contaminée à prime abord, puis ça, il faut faire attention parce que c'est sûr qu'au niveau des pois, souvent, ce qui se vend, c'est des récoltes de l'année d'avant, c'est rarement peut-être de la semence certifiée. Puis quand on va vers la semence certifiée, on élimine souvent ces problèmes-là. Fait que probablement que vous avez introduit la morelle avec votre semence, mais pas c'est pas une levée spontanée. Normalement, c'est plutôt une contamination là, qu'on on vit là, par rapport à ça. Là. Ben, je pense pas que de la semence certifiée, ça va être... J'abonderais dans le sens à Muriel. Là. Je pense qu'il y a pas 9 chances sur 10 que c'était votre semence non certifiée qui était contaminée. Oui. Parce que j'observe la morelle dans certains champs actuellement, dans des régions où on n'en voyait pas avant. Oui. Puis je mettrais un bémol sur la semence certifiée, par exemple, parce que les champs inspectés en champs de semences, la morelle n'est pas une problématique nécessairement. Fait que j'ai pas l'expérience pour le poids, mais dans, supposons, les plantes fourragères, cette affaire-là, quand on dit que c'est certifié, c'est qu'il y a un taux de... Le taux de contamination est inférieur à un niveau X. Fait que là, quand ce n'est pas certifié, il n'y a pas cette norme-là. Fait que là, il y a plus de chances à ce que ça arrive. Là. La morelle récoltée, mettons, il me semble, les pois sont quelque part là, fin août qu'on récolte ça. Elle n'est pas en maturité pantoute. La morelle est en boîte. Elle est même verte, effectivement. Ouais. Mais est-ce qu'elle a été capable de maturer à l'extérieur de son plant? Bonne question, là. Est-ce que... Puis la morelle, par contre, on voit peut-être qu'elle a une capacité... Elle a besoin de certaines conditions. Mettons, cette année, elle a proliféré d'une manière incroyable. Ça faisait quand même quelques années que c'était pas un problème. Il y a quelque chose de... Il y a un peu de recherche à faire au niveau de la morelle, là, c'est sûr.
OK. Sinon, au niveau de la précocité des pois, écoutez, il y a des pois qui se cultivent dans le Bas-Saint-Laurent, dans Charlevoix. Fait que oui, c'est des cultures qui ont une belle précocité. C'est des cultures qui sont battues en même temps que les céréales, implantées en même temps que les céréales, battues en même temps que les céréales de printemps. Fait que oui, en région plus froide, là, il n'y a aucun problème. Il faut choisir, par contre, des pois hâtifs. Juste peut-être une petite dernière chose en terminant. On a parlé de la rotation de Denis Champagne, mais peut-être si Mario voulait nous dire c'est quoi sa rotation, Mario et Eric, puis la même chose pour Daniel. Il y en a qui reviennent en courant. Nous autres, on n'a pas compris la question. Est-ce que vous voulez nous annoncer c'est quoi votre rotation? C'est maïs, soya, céréales. On met du trèfle dans les céréales. On essaie de mettre le plus d'affaires dans nos céréales là, pour préparer le maïs. Là, on fait des tests dans le soya. Là. Le soya, on le fait buter, une butte de 3-4 pouces. Fait que j'aimerais ça avoir un petit couvert de quelque chose dans la saison. Puis on essaie de faire du blé d'automne, mais ça n'a pas un grand succès. Il faut l'incorporer. Mais juste à voler, le soya qu'on a, c'est trop d'unité thermique. Ça va trop tard dans la saison. Fait qu'il germe pas bien, il ne survit pas. Fait que ça au sourbillon. En tout cas, on essaie de regarder de quoi là, pour garder le plus de verre possible. Super. Puis Daniel, toi, ta rotation? Daniel, il n'est pas revenu. Mais juste une question. Il faudrait que tu le textes, Sophie, je pense. Mais Eric, est-ce que vous faites juste un an de soya? C'est ça que j'ai compris? Oui. On pensait peut-être à faire 2 ans. Là. Cette année, il y a une partie à 2 ans. Non, c'est l'année prochaine. Pas cette année. C'est déjà fertilisé. Fait que on pense à ça peut-être en faire 2 ans. Là. Côté là, contrôle de mauvaises herbes et côté rentabilité aussi. Là. Mais essayez de mettre du verre dans tout ça en même temps. Excellent. Merci. Daniel, on aimerait que tu nous parles un peu de ta rotation. Puis en même temps, j'aimerais que tu nous parles aussi de la démarche que tu as faite là, de modification de rotation et comment c'est quoi les difficultés que vous avez vues puis comment vous en êtes sorti avec ça. Notre rotation, c'est... le foin, une année d'implantation, 2 ans de récolte de foin. Après ça, une année de maïs en silage, 2 années de soya. Puis après ça, c'est l'année d'implantation, l'année de céréales et en même temps implantation. Fait que puis on a une partie qui n'est pas en rotation, c'est des pâturages. Les pâturages, on essaie de revirer une planche à chaque année d'à peu près 10 acres à chaque année. Fait que c'est ça notre rotation. Nous autres, on avait l'histoire de la ferme, c'est la croissance. Là. Puis dans une région un peu plus nordique avec 2300 unités thermiques quand il fait beau, quand on a des bonnes années. Donc le maïs grain, on ne peut pas en faire. Fait que la croissance, bien, ça a fait qu'il y avait des terres. On est dans un secteur un peu fermé, il n'y avait pas nécessairement des terres disponibles pour acheter, mettons. Fait qu'on a loué beaucoup de terres. Fait que là, on louait des terres même qui n'étaient pas drainées, pas nivelées. Fait qu'on a travaillé avec ça pendant plusieurs années. Puis en même temps, on faisait notre transition bio. On était devenu bio à partir de 1998. Fait qu'on a fait plusieurs années là-dedans. Fait que ça, quand je parlais des rotations courtes, comme on fait présentement, bien, c'est des affaires qu'on voulait faire, là. Puis qu'on savait déjà depuis longtemps que c'était bien de le faire, mais c'était pas tout le temps possible. Fait que là, on est rendu depuis 5 ans là, qu'on met en place la rotation que je vous ai dit. On l'a vraiment stabilisée là, parce qu'on a acheté des terres. On a on est propriétaire des terres. Si on n'est pas propriétaire, sont drainés, nivelés, sont prêts à cultiver... dans notre rotation qu'on a là. Fait que l'histoire, c'est que des fois, je trichais tout le temps pour avoir les besoins des animaux ou du marché, des fois, pour essayer d'être rentable dans les cultures.
Fait que je trichais dans les rotations. Il y a des champs qui étaient toujours en foin parce que, pour les raisons que je vous ai mentionnées tout à l'heure, il y a des champs qui étaient plus efficaces. Fait que j'essayais d'étirer les rotations. Des fois, j'avais une belle année de céréales, ben j'en refaisais un autre parce que ça allait bien. Fait que j'en faisais une de plus. C'est là que les problèmes commencent. Les problèmes, souvent, on les traîne les années suivantes. Plus de mauvaises herbes, plus de... J'ai eu beaucoup de chiens dents dans mes champs dans le passé là, à cause de ça. Là. Une terre qu'on reprend du voisin qui est en foin pendant 30 ans. Quand on reprend ça, il faut vraiment prendre le temps de détruire le chien dent. Puis des fois, question d'argent, ben on va plus vite. On sème, des fois, on a labouré, mais un soya. Ça fonctionne, mais des fois, ça ne fonctionne pas à cause de la saison. Ça, c'est des expériences qu'on a eues. Mais c'est tout avec beaucoup de mauvais coups là, qu'on a fait, puis certains bons coups. Je savais, j'avais vu dans les années que la rotation qu'on a présentement, je savais qu'elle fonctionnait. C'est-à-dire qu'une prairie pas trop vieille ou une bonne destruction avec un engrais vert d'automne jeune avec une bonne fertilisation. Quand on part avec le maïs en silage, là, le maïs est plus beau, il est plus facile à sarcler, il y a moins de mauvaises herbes annuelles. Les vivaces sont plus là, sont éliminées. Puis les rendements sont là. L'année suivante, le soya, c'est la même chose, ça continue. Nous autres, des raisons économiques, on a rajouté une année de soya aussi. Fait que c'est tout ça que je le voyais dans certaines parcelles que ça fonctionnait. Puis là, ce qu'on a fait dans les 5 dernières années, on a vraiment mis ça sur l'ensemble de la ferme. Fait que toutes les petits bouts de champ qui manquaient de drains, les petits bouts de champ qui manquaient des drains ou des corrections, on essaye de les faire, les tout corriger, les petits coins qu'on gardait en prairie permanente ou en. Bon. Fait qu'on a fait des blocs de rotation qui fait que là, on a réuni ça en des blocs de 100 acres. On a rendu ça aussi plus accessible pour le fumier, la fertilisation avec le système d'irrigation. Fait qu'on a, en regroupant les champs, bien, on a facilité la fertilisation avec les tuyaux. On déroule les tuyaux juste à une place. Fait qu'on essaye de rester fidèle à ça. La dernière hésitation que j'avais, là, j'en parle souvent, c'est la destruction de prairies. Quand on fait une destruction de prairies chez nous, c'est au mois d'août, puis quand on met l'engrais vert, c'est fin août. Fait que l'engrais vert, c'est un engrais vert jeune. Là. C'est comme la petite salade. Là. Souvent, c'est juste un avoine ou des fois avec du poids. Puis ça, j'ai toujours trouvé que ça faisait une fertilité, une bien belle, un beau démarrage pour le printemps suivant pour le maïs. C'est des champs faciles à travailler au printemps. Avec une bonne fertilisation, là, on met un fumier de poulet, un fumier... on met du fumier sur cet engrais vert-là au mois d'août. Puis devant, on va mettre juste un petit peu de fumier liquide avant de semer au printemps. Puis ça. Fait que là, ça, c'est ma question, c'est toujours la même. On était à veille d'avoir les réponses. C'est, on va-tu juste labourer les prairies jeunes que j'ai mentionnées tantôt, juste 2 ans de récolte, puis qu'on a contrôlé le chien d'ain, bien, juste un labour d'automne, pas trop profond. Là, peut-être qu'au printemps, on va avoir le même effet que l'engrais vert. Fait que ça, c'est ça le but. Le but, c'est que ce soit simple, là, que ce soit efficace, que ça donne des résultats. Mais, puis, c'est parce que c'est particulier chez nous. Il y a des affaires qu'on savait un peu sur papier il y a 20 ans, là, qu'on voulait faire. Là. Fait qu'on n'a pas pu le faire à grande échelle. Là, on le fait plus à grande échelle. Ça va. Les résultats, en tout cas, si je vous dirais l'année passée, dans chaque champ, chaque parcelle, le maïs en silage, on est satisfait. Dans le soya, on est très satisfait. La céréale, l'année passée, c'est notre lacune, là, l'orge. Comme partout ailleurs. Oui. Ouais. Les céréales, l'année passée, ça n'a pas été génial. Puis j'essaie de mettre, dans mon maïs en silage, là, j'essaie d'implanter quand même un intercalaire. Le but, c'est qu'il y ait... Parce que quand on est en cil, au mois de septembre, ben, le sol est... Il reste intouché jusqu'au labour. Puis je me dis, tant qu'à labourer, j'aime mieux labourer un petit peu d'engrais vert pour stimuler la décomposition des cotons de maïs. Là. Même si ce n'est pas la grande tige, c'est quand même des bons morceaux là, qui restent à terre, un petit pouce de... Qu'est-ce que tu mets comme intercalaire, Daniel?
Ben là, c'est juste du régras annuel. J'ai fait des expériences l'année passée parce que je voulais essayer ça, là. Puis j'ai bien, j'ai trouvé que ça a fait une belle ligne d'engraveur entre les reins, là. Fait que, tant qu'à labourer, j'aime mieux labourer quelque chose que juste des cotons. C'est sûr. Puis là, on labourait, on a essayé à labourer pour enfouir les résidus, pour que, faciliter le sarclage. Sinon, on ne labourera pas avec. Mais sauf, c'est ça, quand on passait le peigne dans le soya, ben là, ça, on traîne du stock pas mal. Alexandre, on va partir la section fertilité versus rotation de culture. Merci, Daniel. Oui, merci, Daniel. C'est intéressant comme processus de essai-erreur sur plusieurs années. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, OK. Je vais juste le mettre plein écran. Bon. Ben écoutez, je sais que le temps avance rapidement. On en a déjà parlé, mais peut-être juste insister sur un point important là, au niveau de la fertilisation. Peut-être qu'est-ce qui distingue le marché, disons, la production biologique du conventionnel. En fait, c'est pour beaucoup, là, il n'y a pas juste ça, mais pour beaucoup, c'est la gestion de l'azote. En fait, la gestion de l'azote, là, je vous apprenais en disant qu'on n'a plus accès nécessairement aux engrais chimiques comme l'urée ou le nitrate. En fait, les engrais chimiques sont beaucoup plus rapidement disponibles aux plantes. Donc, c'est assez facile de mettre des quantités importantes. Donc, un des premiers objectifs, ou en tout cas défis pour les producteurs qui vont faire une transition biologique, c'est de bien gérer l'azote dans le système. C'est probablement l'élément fertilisant qui est peut-être le plus limitant au niveau de la production biologique. En fait, il y a trois façons essentiellement de l'apporter. C'est avec, puis ça encore là, on en a parlé beaucoup. Tantôt, Éric a parlé beaucoup, il faut que j'amène du verre dans mon système. Bien, en gros, ce qu'il veut dire, c'est les fameux engrais verts. Donc, ça peut être soit des prairies de légumineuses ou on a parlé aussi du poids 40-10. Essentiellement, c'est ce qu'on voit. Les engrais organiques, on a les fumiers, des lisiers. Puis, il y a le sol qui est quand même, j'ai bien aimé aussi le commentaire à Denis à un moment donné qui disait, moi, je mets 2000 tonnes de fumier à chaque année. Fait que même si je n'en mettais pas une année, ce serait peut-être pas si pire. Bien, en fait, grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que il peut y avoir, quand il y a de la vie dans le sol et qu'il y a une accumulation, bien, cette accumulation-là de matière organique libère une certaine quantité d'azote à chaque année dans votre système. Fait que c'est d'être capable de travailler avec ces trois aspects-là. Là, je vous ai fait un petit tableau, un petit graphique, là, une petite illustration. Je vais vous prendre peut-être le temps de le digérer. En fait, ben, ce n'est pas compliqué. Là. On est parti avec une rotation là, de base. Comme on disait tantôt, je pense qu'essentiellement, c'est important de mettre en place un système simple au départ, puis peut-être le complexifier par la suite. Mais si on y va avec une rotation simple, soya, céréales, maïs, ben, puis vous avez un petit calendrier. Donc, le petit calendrier qui est là, en fait, vous avez deux façons de fertiliser. Vous avez vos engrais verts, puis vous avez vos engrais organiques. Fait que là, il s'agit de placer les bons engrais verts au bon moment dans la rotation. Puis si vous regardez dand le calendrier, il n'y a pas grand fenêtre, entre guillemets, où que le sol est complètement laissé à nu entre vos cultures. C'est seulement, il y a à peu près juste après la céréale qu'il y a une fenêtre vraiment pour être capable de faire un engrais vert. Fait que c'est probablement pour, ben c'est pas pour, c'est pour cette raison-là qu'on peut mettre des engrais verts après la céréale. Puis c'est pour ça que c'est important d'intégrer la céréale dans la rotation de grandes cultures en régie biologique. Fait que j'avais goût de, à ce moment-ci de laisser mon collègue Jean-Pierre là, qui a accompagné justement la ferme de l'ami à Yamachiche. Puis voir un peu le cheminement qu'il a fait
à ce niveau-là, au niveau de la gestion des engrais, ben, de la gestion de la fertilité, finalement, là, en régie biologique? Parce que moi, j'ai mis des petites flèches pour dire à quel moment que c'était idéal de mettre tel type d'engrais. Comme par exemple, si vous voyez le lisier, moi, je proposais de le mettre au printemps. Pourquoi? Ben, parce que c'est rapidement disponible. Il y a une partie qui va être libérée, qui va être disponible aux plantes, mais ce n'est pas toujours le cas parce que des fois, il y a des considérations aussi pratiques qu'il faut tenir en compte, notamment la question de la fameuse compaction des sols au printemps avec les tanks. Fait que Jean-Pierre, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, je peux prendre la relève un peu. Dans les faits, souvent, quand on parle, on a souvent des questions par les agronomes, par les producteurs là, sur les fertilisations et les plans de fertilisation qu'on a à faire. En bio, ça reste relativement simple. On place les fumiers dans certaines cases, puis c'est beaucoup de la répartition plus que de la fertilisation. Parce qu'on a un cadre qui est réglementaire qui nous permet de prendre un maximum là, de fumier. Puis dans une rotation comme on voit là, maïs, soya, céréales, ben, on va fertiliser notre céréale, on va fertiliser notre maïs. Fait que là, on connaît nos places où on en met. Le maïs reste la plante la plus dispendieuse à faire. On ne veut pas rater notre coup, surtout quand on commence en bio, puis on n'a pas fait de test là, au niveau là, des doses réduites de fumier. Fait qu'on ne prend pas trop de chance, on met ce que ça prend là, pour faire le maïs. Puis le restant, on va le passer à la céréale. Puis dans les faits, ce que je dis aux producteurs pour essayer de placer les fumiers, ben, il faut respecter nos sols. Quand on a des sols argileux, ça devient difficile de rentrer au printemps dans ces sols-là. Fait qu'on va essayer de faire nos fertilisations beaucoup plus à l'automne, surtout si on a des équipements là, qui sont pesants. Fait que dans nos sols argileux, on va prioriser nos épandages d'automne. On ne reçoit pas tous nos fumiers en même temps. Fait qu'il faut être capable d'en épandre souvent là, à l'automne, puis une partie au printemps. La partie de printemps, ben, c'est la partie qui va être faite dans les sols plus légers. Puis après ça, on priorise aussi là, les types de fumier. C'est sûr qu'un fumier pâlieux mis au printemps, là, on a un fumier de vache, ça ne fonctionnera pas. Là. Fait que ça, c'est sûr que c'est un fumier qui va être placé à l'automne, qui pourrait même être placé là, avant la destruction des engrais verts ou avant l'incorporation, là, un semis à la dérobée d'engrais verts dans les céréales. C'est une belle place là, pour aller mettre un fumier pâlieux où on va le mettre à l'automne. Fait que fumier pâlieux mis à l'automne. Fumier de volaille, il y a beaucoup de choses qui est dit à ce niveau-là, comme quoi il faudrait presque obligatoirement mettre ça à l'automne parce que oui, il y a de la rip un peu là-dedans. Ça prend un peu plus de temps là, pour être capable d'aller rechercher l'azote. Par contre, en parlant aux producteurs, ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos champs très légers, de mettre du fumier comme ça à l'automne, on dirait qu'il a commencé à travailler un peu plus, puis il en manque au printemps. Il y a même des producteurs qui disent qu'ils ne le voient carrément plus. Là. C'est comme s'il n'avait pas mis de fumier quand il applique les fumiers de volaille à l'automne dans des champs très légers. Fait que j'ai tendance à les placer là, ces fumiers-là au printemps dans les sols légers. Ça tombe bien, on a de la fertilisation à faire au printemps. Fait que, puis les sols légers, on a moins de compaction. Fait qu'on garde la partie qu'on a besoin de faire au printemps pour dans le fumier de volaille pour les champs qui sont plutôt sablonneux. Puis les lisiers, il faut faire vraiment très attention. Lisier au printemps avec des tanks.
on fait ça vraiment de moins en moins, à part que ça, si c'est on est dans des sables. Fait que c'est d'aller placer ça à l'automne ou ceux qui ont la chance d'avoir les systèmes d'irrigation, c'est complètement le contraire. On prend nos lisiers, puis c'est vraiment au printemps. C'est là qu'ils réagissent le mieux, on le sait. Par contre, la compaction, c'est ce qui est le plus néfaste là, au niveau de nos champs, de la fertilité de nos sols. Fait que si vous avez des gros équipements, des tanks, gardez vos lisiers pour l'automne. Si vous avez des systèmes d'irrigation, préconisez le printemps, ça va vraiment bien. On a des super beaux résultats avec des applications vraiment limites là, de lisier. Fait que ça vient comme mettre une stratégie dans où on place là, nos fumiers au niveau des périodes. Après ça, si on regarde les doses, ben, c'est beaucoup en fonction de notre bilan phosphore. Mais je dirais qu'un bon lisier de porc au printemps, on est capable de fertiliser un maïs là, avec un 30 mètres cubes à l'hectare, un 3 000 gallons à l'arbre. Souvent, les producteurs mettent plus que ça, mais au printemps, on a quand même presque pas de perte, puis ça fait des belles cultures là, de maïs avec ces quantités-là. On met à peu près les mêmes quantités là, pour faire une céréale. Fait qu'un 3000 gallons à l'arbre pour faire une céréale au printemps, ça va super bien. À l'automne, on sait qu'on va avoir des pertes un peu. Fait qu'on peut monter, un petit peu plus. Grosso modo, l'engrais vert, Jean-Pierre, en haut là, sur l'image? Sur les engrais verts, dans les faits, on fertilise beaucoup le maïs. Fait que quand je mets du fumier sur un engrais vert à la dérobée, mettons, là, on va aller placer du fumier au mois d'août, mettons, là, pour une culture de maïs qui va être l'année suivante. Fait que si je place un fumier avant l'implantation de l'engrais vert, je ne vais pas juste mettre une légumineuse, je vais faire un moitié-moitié légumineuse avec céréales pour que l'azote du fumier puisse vraiment servir là, à être recyclé à travers la graminée qui, elle, a besoin là, d'avoir là, de l'azote dans le système. Et si j'ai une légumineuse pure, si j'ai un trèfle ou un pois fourrager, je vais avoir tendance à aller placer mon fumier plutôt juste avant la destruction à l'automne parce que je sais que mon engrais vert lui-même en a pas nécessairement besoin. Fait que je le mets comme un peu pour rien là, si je vais porter ça à la dérobée. Puis les producteurs qui ont des problématiques de compaction, qui ont des teintes qui sont pesantes, bien, essayez d'aller vers un engrais vert que lui, il va contenir des graminées. Puis allez porter votre fumier pendant la saison où on ne fait pas de compaction au sol. Il faut gérer beaucoup la partie compaction quand on gère la fertilisation. Fait que rouvrez-vous des fenêtres là, qui ne créeront pas de compaction au champ avec vos équipements. Donc, quantité de fumier là, de poulet pour faire un maïs, en général, là, c'est un 7-8 tonnes hectare qu'on va placer. Ça peut aller au printemps dans les sols très léger, mais en général à l'automne là, pour les autres types de sols. OK. Au niveau des engrais verts intercalaires, je pense qu'il y en a un qui est assez populaire, c'est au niveau des céréales. Tu peux en parler. Les autres, je les ai comme mis, mais c'est sous toute réserve. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, on va en reparler pas mal là, un peu plus tard, mais pas mal le temps court, peut-être pas si longtemps que ça, mais l'engrais vert, le trèfle, qui était vraiment notre engrais vert, le roi des engrais verts il y a une couple d'années, on commence à y trouver quelques défauts, surtout quand l'implantation est moyenne.
il nous met à risque là, de garder ça après la récolte de la céréale, puis de permettre à certaines mauvaises herbes, c'est plus les vivaces là, qui viennent s'implanter à ce moment-là. Fait que c'est un super bel engrais vert, le trèfle mis en intercalaire dans notre céréale au printemps, qui a la possibilité de nous emmener vraiment une super grosse biomasse, beaucoup d'azote aussi, qu'il faut être capable de gérer. Là, faut être, si c'est fait sur une céréale d'automne, il va falloir aller la faucher là, au courant du mois de septembre, si elle est trop grosse. Là. Mais la problématique de cet engrais vert-là, c'est qu'il faut prendre une décision quand on a récolté notre céréale. Es-tu assez forte pour être capable de gérer comme il faut là, nos mauvaises herbes, beaucoup le laiteron là, qui est problématique là, comme contamination là, pour nos champs. Fait que si l'implantation n'est pas parfaite dans le champ, il faut quasiment redétruire ça puis revenir avec un poids fourrager. Fait que là, on a comme plusieurs producteurs qui, à la place de dire « je prends le risque d'implanter un trèfle puis ça se peut que je le détruise de s'en aller directement, là, de prévoir les implantations avec le poids fourrager, avec un léger travail de sol pour se débarrasser là, de toutes les vivaces là, qui peuvent prendre la place dans la rotation. » C'est bon. Ben, écoutez, c'est ça, je sais que le temps file. Je vais aller rapidement aux petites diapos que j'avais préparées. Peut-être juste pour un petit clin d'œil pour Denis là, qui parlait de sarrasin, puis il disait que dans ses terres vraiment là, riches, là, ça ne faisait pas de grains. Ben, vous voyez dans ce tableau-là, un peu de façon bien vulgarisée, les besoins, les exigences en fertilisation de chacune des cultures, puis les exigences par rapport en azote au départ des. Fait que ça, je pense que c'est important quand même d'avoir une bonne idée de ces besoins-là par rapport à vos cultures. Puis on voit que par rapport aux besoins en départ de végétation au niveau du sarrasin, bien, c'est le plus faible. Fait que c'est sûr que si. Puis le maïs, évidemment, se retrouve au top. Là. Et pas longtemps après, on voit les céréales. Fait que c'est d'adapter les apports fertilisants avec les besoins des plantes les plus exigeantes. Je suis content de voir que ça suit que c'est que je disais. Comment? Je suis content de voir que ça suit que c'est que je disais. Ah ouais, écoute, c'est bien, ça a bien du sens, ça a bien du sens ce que tu disais. Sauf le poids. Le poids est le 13e, puis tu voulais faire te servir de ton engrais vert pour faire du poids. Mais c'est vrai que chez vous, le poids, quand tu avais fait ça après l'engrais vert, ça avait donné quelque chose de vraiment bien. Les besoins ne sont pas là, mais la plante réagit. Hein, ça fait juste plus de vert, plus de feuillage. Ouais. C'est assez pour lui donner un break. Oui, exact, pour les mauvaises herbes. En tout cas, c'est une technique qu'on entreprend à 50% des superficies cette année. Puis je pense bien que ça va être bon. Puis de toute façon, on boude un peu de maïs, hein, parce que le maïs, il cherche à du niaiser un petit peu, fait que c'est pas encourageant d'en semer trop grand. C'est bon. Je vais terminer là-dessus. Peut-être juste un petit dernier commentaire. Je veux pas que ça soit trop lourd, mais ici, vous avez... En fait, Jean-Pierre l'a dit, là, on a comme des limites au Québec là, au niveau des apports de phosphore. Nous autres, c'est une norme phosphore au Québec. Fait que c'est sûr que, historiquement, dans la régie bio, les producteurs qui ne fertilisaient qu'avec des fumiers et géraient pas bien nécessairement les engrais verts ou considéraient ça comme quelque chose qui n'était pas essentiel. À un moment donné, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'à chaque fois qu'on amène une unité d'azote, ben, on amène aussi une unité de phosphore. Fait que ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des surplus de phosphore. Fait que ça, c'est une autre raison pour laquelle c'est important d'apporter notre azote avec non pas juste les fumiers, mais aussi avec des engrais verts pour essayer d'équilibrer notre bilan. Fait que j'arrête là-dessus, puis je vais laisser la parole, ben, je l'ai pas mal laissé, mais je vais la laisser encore plus à Jean-Pierre. Vous voyez comment j'ai le tour pour faire des présentations? Je pose une question à quelqu'un, puis c'est lui qui a fait à ma place. Vas-y, Jean-Pierre, je te laisse le contrôle.
Oui, je vais essayer de. Do you want to continue the stuff or repeat? Yes. Pourquoi que je vois pas? Ah, ça, c'est, on voit la. La... Ouais. Ah, t'as pu, moi, je vais peut-être arrêter le mien, ça va peut-être aider. Ouais, mais je vois ce que je peux. Il est censé être capable d'embarquer par-dessus. T'essaies de partager ton écran, là, Jean-Pierre? Ouais, mais je vois, ça, c'est les bons coups, c'est pas les bons coups. C'est lequel? Tu sais que je suis rendu? Dernière chance. J'essaie de retrouver ma présentation là-dedans. Oh, je pense que c'est celle-là. Je suis meilleur dans le champ qu'avec avec les ordi. Mais, je t'amène ton ordi dans le champ. Ouais. Pour le temps qui me reste, je vais continuer comme je suis là. Donc, on va parler de rotation versus le contrôle des mauvaises herbes. Dans les faits, la rotation qu'on va avoir, il y a plusieurs points positifs là, par rapport au contrôle de mauvaises herbes, mais il y a plusieurs points négatifs aussi. Peut-être pas des points négatifs, plutôt que des pièges à éviter par rapport à une rotation. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que la rotation nous fait une succession de différentes cultures, mais nous amène une succession de travaux de sol qui vont être différents et qui vont avoir des effets différents là, au niveau de nos mauvaises herbes. À travers ces travaux de sol-là qui sont différents, on peut travailler à différentes profondeurs puis aller affecter aussi différents... différemment nos mauvaises herbes. Alexandre en a parlé au niveau de fertilisation. Il y a des plantes qui sont moins exigeantes. Puis il faut faire attention quand on va fertiliser ces plantes-là parce que quand on ne les fertilise pas, il y a beaucoup de mauvaises herbes qui sont exigeantes au niveau de l'azote. Et si on les fertilise, ben, ils vont devenir beaucoup plus compétitifs dans cette culture-là donnée. On peut regarder, le soya est un bon exemple. On n'a pas besoin de fertiliser un soya. Si on le fait, on voit qu'il vient un peu plus luxuriant. Là, il est plus vert, il part un petit peu plus vite au printemps. Mais vous allez voir que vos choux gras et les autres mauvaises herbes vont être beaucoup plus présents. Ça va vous amener, dans les faits, une problématique. On a des successions aussi de sarclages différents dans notre rotation qui va venir affecter là, nos mauvaises herbes. Fait qu'on peut se débarrasser de certaines mauvaises herbes par rapport à d'une culture par rapport à une autre. La période de croissance, les céréales par rapport au maïs, ça aussi, on quitte les cultures plus vite là, dans les céréales. Fait qu'on, il y a plusieurs mauvaises herbes qui ne sont pas encore arrivées à maturité, qui n'ont pas donné le grain, qui ne sont pas encore viables. Et c'est bien correct comme ça. Là, fait qu'on vient comme contrôler les mauvaises herbes à ce stade-là. Et il y a des enrichissements puis des appauvrissements de sol par les cultures. C'est sûr que la culture par excellence, le blé qui nous introduit notre engrais vert, on vient beaucoup enrichir nos sols, on vient améliorer nos structures, la fertilité du sol. Ça vient aider la culture suivante à très bien performer et à sortir du lot. Quand on est dans des sols plutôt appauvri quand on sort d'un soya, puis on voudrait faire, quand Sophie parlait au début, puis elle disait, si vous n'avez pas un bel engrais vert, ne faites pas de maïs. Dans les faits, si on était en conventionnel, probablement qu'on réussirait à tirer notre épingle du jeu. Par contre, quand on est dans un système biologique où là, le maïs va avoir de la difficulté à partir, il ne gagnera pas la guerre contre les mauvaises herbes. S'il part lentement,
on est dans le trouble en partant, puis on ne réussira pas à faire quelque chose de bien dans ces champs-là. Fait que vous voyez que la rotation va influencer beaucoup le contrôle là, des mauvaises herbes. Puis il faut être capable de bien comprendre qu'est-ce qu'on fait dans la rotation, les travaux de sol, puis qu'est-ce qu'on va faire pour ce qu'on a comme problématique. Et des recettes, il n'y en a pas beaucoup. Ça va dépendre des types de sol, ça va dépendre d'un paquet de choses là, sur votre entreprise. Fait que c'est important là, de bien comprendre ça. Je n'étais même pas en mode de... Fait que on a des cultures qui sont salissantes aussi. On parlait du soya tantôt. Le soya, c'est une culture où on laisse passer un peu de mauvaise herbe puis il salit. Si on fait une deuxième année de soya, ça va être pas mal plus sale encore là, la deuxième année. Le maïs aussi, culture relativement salissante, là, dépendamment de comment on va contrôler les mauvaises herbes. Et au contraire, on a des cultures qui sont nettoyantes. Fait que le céréale en est un exemple. Plutôt la céréale d'automne. Faut faire attention aux céréales de printemps, comment ça va aller. Puis plus la céréale est longue, plus on s'en va vers une culture, par exemple, d'avoine qui est plus longue là, à sortir. Mais là, on va avoir des mauvaises herbes qui vont avoir le temps de grainer là, dans la céréale. L'engrais vert est très nettoyant comme culture et les prairies. Encore là, on parle d'une prairie courte. On a parlé avec Daniel. Prairie courte, c'est très nettoyant. Au contraire, une prairie longue va permettre à certaines mauvaises herbes, là, les vivaces, de rentrer. Je vais aller assez vite hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais interrompez-moi là, si vous avez des questions. Les travaux de sol qui vont être faits à travers là, notre rotation ont aussi là, un gros effet là, sur les mauvaises herbes. Labour, le chez-elle, les déchaumages. Et il faut comprendre ici, là, par exemple, la déchaumeuse va garder toutes nos mauvaises herbes plutôt en surface. Les mauvaises herbes de l'année qui vont avoir grainé vont rester en surface puis vont avoir tendance à germer au printemps. C'est là qu'on s'aperçoit que quand on fait un labour, on va cacher un peu là, la partie de mauvaises herbes qui a été produite dans l'année. On va aller le cacher plus profondément puis on va avoir un champ qui est beaucoup plus facile à contrôler au printemps suivant. On s'amène des problématiques un peu plus à long terme, mais le labour vient gérer là, une partie de cette problématique-là. Le chisel est quelque part dans le milieu. Labour et chisel vont avoir certaines influences aussi là, au niveau de nos vivaces, avec qui ont des systèmes racinaires un peu plus profonds avec lesquels là, faut être plus agressif là, pour être capable de les affaiblir. On ne s'en débarrassera pas avec des systèmes comme ça. Ça peut nous donner une chance pour être capable de partir au printemps puis d'améliorer notre contrôle là, temporaire des problématiques de mauvaise herbe, des croissances de mauvaise herbe, puis on va venir avec les sampleurs un peu plus tard là, pour être capable de finaliser notre contrôle. Les résidus sont là, OK. Ce qu'il faut comprendre aussi au point 4, c'est que dans les faits, on a à gagner une guerre là, au niveau de nos mauvaises herbes. C'est vraiment important de venir améliorer nos fertilités du sol pour que notre culture, qui est un bébé dans notre système, là, comparativement à toutes les mauvaises herbes qui sont là depuis des millénaires et qui ont appris à vivre là, dans nos terrains avec presque rien. Nos bébés, particulièrement le maïs, c'est une plante qui a besoin de soins, qui a besoin d'avoir tout ce qu'il a besoin pour pousser.
Puis c'est vraiment important d'avoir un sol qui est parfait quand on rentre avec ces cultures-là pour pas que lui ait de manque là, dans sa croissance pour être capable de venir le protéger des mauvaises herbes qui vont pousser à côté. Fait que si on n'a pas des sols qui sont fertiles, qui vont permettre à nos cultures de très bien se développer, on rate une belle fenêtre là, pour être capable de gagner la guerre contre nos mauvaises herbes avec nos équipements par la suite. Fait que c'est important de se créer des bons engrais verts et pour être capable d'avoir un champ qui est fertile, avoir une belle mie avec laquelle on va être capable de bien travailler et que nos plantes vont très bien se développer. Fait que la rotation nous amène une bonne structure de sol qui va servir là, au niveau de nos sarcleurs aussi là, pour être capable d'être efficace avec les sarcleurs. Et là, ça fait vraiment toute la différence quand on a un sol qui est bien structuré. On rentre avec des sarcleurs. Nous, on est là dans le champ pour les ajuster. Ça va tellement mieux pour être capable d'ajuster un sarcleur dans un sol qui n'a pas de motte et qui est en santé comparativement à un sol qui est compacté où tout est difficile là, quand on fait nos ajustements. Et il faut faire attention parce que dans notre rotation, on a des cultures qui vont emmener beaucoup de résidus. Et les résidus, c'est un des gros ennemis au niveau de nos sarcleurs. On a des peignes. On commence toujours avec les peignes en prélevé au début de la saison. Si on a des résidus, cet équipement-là qui fonctionne vraiment très bien au niveau de la répression là, des mauvaises herbes ne sera pas efficace. Et on va aussi avoir des problèmes avec nos sarcleurs plus tard. Fait qu'il faut être capable de gérer les résidus. Gérer les résidus, c'est pas des enterrer à 100%. C'est de comprendre nos équipements, puis c'est d'y aller selon un optimal au niveau des résidus. Fait que quand on a des céréales avec certains engrais verts, une déchaumeuse va très bien faire l'affaire. Quand on a un maïs, puis une belle récolte, on a beaucoup de résidus, ça vaut la peine d'aller porter, surtout au niveau des racines de maïs, là, d'aller porter ça assez profond pour pas que ça revienne là, avec le cultivateur, puis que ça bloque un paquet de nos sarcleurs par la suite. Fait que c'est toutes des places là, où la rotation puis où nos cultures peuvent venir nous aider comme nous nuire là, à travers notre rotation. Est-ce que vous avez des questions actuellement? Non? Fait que le principal avantage, on en parle depuis le début, c'est vraiment à travers les céréales. Un des commentaires qui revient souvent, j'ai vraiment plusieurs producteurs là, que j'ai suivis au niveau de transition. Une fois qu'ils ont passé leur première rotation où ils ont rentré vraiment l'engrais vert dans le système, la grande majorité vont dire « Hey, mes sols, là, ils ont comme changé, ça a changé de couleur, ça a changé au niveau de la structure. » On a eu un gros apport qui s'est fait là, au niveau de la paille de la céréale. On est arrivé avec un bel engrais vert. Et là, le champ, il change. Il change en surface. On voit que la mie qui est faite, la structure s'est beaucoup améliorée. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut rechercher au niveau des cultures biologiques, de notre régie biologique, c'est d'atteindre là, cette structure-là qui va faire en sorte que tous nos équipements et toutes nos cultures vont bien aller après ça. Fait que l'intégration des céréales et plus particulièrement des céréales d'automne, parce qu'on fait des engrais verts qui sont plus volumineuses à travers nos céréales d'automne, le champ est plus compétitif aussi au niveau des mauvaises herbes.
ça va être quelque chose de super intéressant. Fait que ça permet les céréales d'avoir un engrais vert qui est vraiment optimal. On a la paille qui va nous amener notre matière organique, qui va faire travailler nos sols, qui va faire travailler nos micro-organismes dans le sol. C'est des cultures courtes qui, en général, ne vont pas permettre aux mauvaises herbes de devenir matures. Les graines de mauvaises herbes ne viendront pas matures. C'est une culture qui n'a pas besoin de sarclage et qui est vraiment la meilleure culture pour venir améliorer là, notre fertilité du sol. Et les engrais verts, ça ressemble à ça. Sophie en a parlé au début. On vient se créer un microclimat dans nos engrais verts où il y a beaucoup d'organismes qui vont être là, qui vont être capables de se débarrasser de beaucoup de graines de mauvaises herbes au sol. C'est humide, c'est plein de vie, c'est plein de bouffe pour tout le monde. Puis c'est pour ça qu'on s'aperçoit les années suivant nos engrais verts, on a beaucoup moins de difficultés là, au niveau du contrôle des mauvaises herbes. Et on a aussi là, un super apport là, au niveau de l'azote. Puis les travaux de sol vont aussi être venir gérer. Là, on se sert des travaux de sol à ce niveau-là pour être capable de venir gérer les résidus et nuire aux mauvaises herbes là, qu'on va avoir. Fait que si, dépendamment de ce qu'on a comme problématique dans nos champs, si on a du laiteron, on va essayer d'aller travailler, d'avoir un bon travail après la récolte de céréales, venir nuire un peu à notre laiteron, venir implanter un bel engrais vert qui va y faire compétition. Puis on va revenir avec un travail à l'automne là, qui va venir le nuire encore. Puis il faut faire encore attention. On poursuit, on regarde dans ces engrais verts-là qu'est-ce qu'il y a comme problématique qui peut arriver pendant que notre engrais vert est en croissance. Si on a des problématiques de laiteron puis de ce qu'on est capable d'observer au champ, bien, il y a encore des interventions qu'on va faire. On va peut-être, parce que si on a trop de laiteron, à un moment donné, on va probablement prendre la décision de le détruire pour ne pas se réinfester plus là, dans ces champs-là ou faire des fauches là, pour être capable de ne pas permettre aux vivaces de prendre encore plus le contrôle du champ. Fait que des exemples d'effets là, de la rotation sur le contrôle de certaines mauvaises herbes. J'ai parlé depuis le début là, de la problématique du laiteron. C'est vraiment nos autres mauvaises herbes, surtout ce qu'on regarde là, au niveau des mauvaises herbes annuelles, on a des sarcleurs performants, on est capable de s'en occuper. Si on a une saison de moyenne à bonne là, au niveau météo, on va faire en sorte là, qu'on va contrôler comme il faut là, ces mauvaises herbes annuelles-là. Les problématiques, c'est plus au niveau des vivaces qui, eux autres, ils ont des grosses réserves au printemps puis ils sont vraiment plus difficiles là, à contrôler. Fait qu'il faut être capable de maîtriser là, puis de tenir le moins présent possible dans nos champs. L'exemple qu'on a, c'est à travers les prairies. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que normalement, une prairie de 2 ans va venir complètement épuiser un laiteron là, par les coupes successives là, qu'on fait dans les prairies. Fait que là, on vient comme épuiser notre laiteron et au bout de 2 ans, normalement, il reste presque plus. J'ajouterais juste, tu dis de la laiteron, mais aussi ceux qui ont des brasiers de chardon, là. Ouais. Le fameux pépix, ça aussi, c'est bien efficace. Il disparaît à un moment donné. Exact. Est-ce que, M. Lucien, vous aviez une question? Non. Ah, OK, d'accord.
Fait que le laiteron, il est épuisé par les coupes successives, par la compétition aussi. Là. La coupe vient le remettre à zéro, il faut qu'il reparte tout le temps. Mais la compétition de la prairie elle-même qui va venir y prendre l'ensoleillement, qui va y créer une compétition sur son plan, va aussi l'épuiser tranquillement. Et l'inverse est vrai aussi. Là, si on laisse des trous dans la prairie, une prairie qui est mal implantée va permettre à du laiteron, à du chardon, de prendre de l'ampleur, en fin de compte. Là. Même si on fait une coupe dedans, comme la prairie n'est pas là pour lui refaire de la compétition dans sa croissance, elle va survivre très bien là, dans une prairie là, qui laisse des trous. Fait qu'il faut faire attention d'avoir des bonnes prairies pour être capable de créer une compétition à du laiteron. Si les coupes de foin ne sont pas assez rapprochées, c'est important d'avoir des coupes de foin rapprochées, effectivement, pour que le laiteron n'ait pas le temps de s'emmagasiner là, des réserves dans ses rhizomes pour survivre. Fait que c'est des coupes. En général, les producteurs laitiers vont avoir là, des coupes qui sont assez rapprochées, sauf pour des vieilles prairies. Les vieilles prairies, on va toujours avoir les mêmes problématiques. Souvent, c'est une prairie qui va être dénudée un peu, qui ne sera pas assez compétitive, qui va avoir des trous, qui va laisser passer un paquet de mauvaises herbes. Fait que c'est vraiment important d'avoir des prairies courtes. Et la première année après l'implantation, d'être capable d'aller refaire un sursemis là, si on voit des trous, si on voit qu'il y a eu une problématique là, au niveau de l'implantation. Prairie trop longue, on en a parlé tout à l'heure, ça permet un paquet de mauvaises herbes de venir s'implanter. Et il y a plusieurs graines de mauvaises herbes annuelles là, qui ne survivront pas les trois années. Il y a des mauvaises herbes, la graine dure à peu près trois ans. On voit beaucoup là, les graminées qui sont dans ces styles de mauvaises herbes-là. Fait que le fait de se faire une prairie de trois ans, on vient se débarrasser de plusieurs types de mauvaises herbes dont la graine ne survit pas longtemps dans le sol. Contrairement à l'autre côté du spectre, on a quand même les moutardes, l'abutilon qui va durer longtemps dans le sol. Ça ne sera pas le mode là, de le même mode de répression là, qu'on va avoir là, pour ces mauvaises herbes-là. Fait que, on voit là ça c'est un champ de trèfle en 2018 et il y en a eu quand même quelques-unes de ces années-là là, qui sont un peu plus difficiles au niveau de l'implantation. C'est une implantation qu'il y a eu dans une céréale au printemps. Le trèfle qui ne repart pas beaucoup, soit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau après la récolte de céréales, soit il manquait un peu de population au niveau du trèfle, puis là, ça laisse partir des mauvaises herbes dans le champ. Fait que c'est important de passer. Moi, je marche maintenant là, où j'incite les producteurs à marcher systématiquement là, les engrais verts quand ils font du trèfle, pour aller vérifier justement là, comment le champ est constant là, dans les zones, s'il n'y a pas des places où on a moins de trèfle et où il y a plus de mauvaises herbes. Et ce qu'on est en train de constater, c'est que il y a du laiteron qui s'installe sur la graine, qui partent de la graine au printemps. On voit que c'est des laiterons qui sont à peu près à 3-4 pouces de haut là, quand on a un trèfle à cette hauteur-là. Puis il y a des petits cotylédons là, dans le bas du laiteron. Fait que c'est un laiteron qui est parti de l'année, fait qu'il part probablement des bords de champ, là, pas nécessairement de laiterons qui étaient dans le champ. Fait que c'est des graines qui sont arrivées dans le champ.
Puis quand on en a dans le champ de ces mauvaises herbes-là qui partent, ben, ce que je suggère à date aux producteurs, c'est de détruire les champs pour ne pas les infester complètement. Là. Parce qu'on peut avoir des champs qui sont relativement propres en, en laiteron, puis d'une année à l'autre, tout d'un coup, parce qu'on a laissé aller un grainage là, de laiteron une année, ben là, on a un champ qui est infesté à grandeur. Là. Puis on en a vu de ces infestations-là. On se demandait un peu d'où ça venait. Puis ce qu'on peut voir, c'est que une céréale où on ne travaillera pas le sol après la récolte de la céréale, et donc c'est semé très tôt au printemps, on ne travaille pas le sol à la récolte parce qu'on a un engrais vert de traite, mettons, qui a été mis là, puis on va le labourer seulement à l'automne. On a vraiment un laps de temps qui est très long où on peut avoir une implantation là, de laiteron. Fait qu'on ne veut pas aller laisser une implantation comme ça puis dans un champ qui était propre puis qu'on a tout d'un coup une grosse problématique là, à gérer là, dans les prochaines années. Fait qu'il faut vraiment aller voir qu'est-ce qu'on a comme, comme mauvaise herbe suite à une récolte de céréales pour voir qu'est-ce qu'on fait avec, avec ce champ-là. On les voit, là, les... Nos vivaces. Là. Ce qu'on voit beaucoup dans la Nodière Mauricie, c'est le. Avant ça, on avait un peu de silage. On en a comme probablement un peu moins. Nos équipements les contrôlent un peu plus. Pas énormément de chardon non plus, mais beaucoup de laiterons, qui est une plante là, qui prend de l'ampleur, qui est dure à réduire après. Là. Fait qu'il faut vraiment être préventif là, sur cette mauvaise herbe-là qui est probablement une de nos plus grosses problématiques là, qu'on a dans les champs en ce moment, si on les laisse aller. Je parlais de gérer les résidus. Là-dessus aussi, il faut vraiment faire attention parce que à travers notre rotation, si on n'est pas capable de gérer comme il faut les résidus en fonction de on s'en va dans quelle culture puis quel équipement on va prendre, on peut vraiment être dans le trouble. Fait que si on a un poids qui n'est pas très développé, on peut peut-être faire un petit travail de sol avec une déchaumeuse. Si on a un gros poids, en général, je vais probablement le faire détruire aussi à la déchaumeuse, mais quelque chose d'un peu plus prononcé là, pour être capable de couper comme il faut les résidus, les aplatir au sol pour qu'il y ait une bonne décomposition qui se fasse. La minute qu'on a du trèfle, être capable de labourer, bien, on n'aura pas le trèfle qui va partir au printemps. Fait que c'est important de gérer cette partie-là. Puis après ça, le maïs, c'est presque un incontournable. Être capable de faire du maïs sans le labourer, sans aller porter là, nos grosses racines de maïs assez profondément pour ne plus les avoir au printemps suivant, c'est très difficile. Ça va prendre des équipements, ça va prendre de l'expertise là, pas mal plus développée là, pour être capable de gérer là, avec nos sacleurs ces champs-là. Fait que c'est important de faire un beau passage de charrue et de le faire de la bonne façon. Un labour dressé va laisser encore pas mal de résidus en surface, puis va être problématique là, pour nos équipements. Après ça, on passe nos cultivateurs, puis les cultivateurs, tout ce qui est léger dans le sol va le remonter en surface. Fait qu'on remonte tous nos résidus en surface. Fait qu'il faut aller porter ça relativement profond là, pour ne pas avoir de problématiques. Et je pense que c'était ma dernière, oui. Et pour finir, un peu avec le labour, le labour a toujours une connotation négative dans la tête des producteurs et des agronomes. Avec l'expérience qu'on a et ce qu'on voit dans le champ, oui, on laboure peut-être le tiers de nos superficies en grande culture,
mais les structures sont super belles. Fait que c'est de ne pas utiliser la charrue à chaque année, c'est important. Mais la charrue n'est pas si problématique que ça là, au niveau de nos structures de sol. On nourrit beaucoup nos champs, on les améliore. Puis la charrue, on l'a fait dans un bon temps. Et on ne le fait pas tout le temps. Là. Fait qu'on réussit à conserver puis à améliorer là, nos structures. Fait que les exemples de problématiques, ben, des périodes longues sans travaux de sol, ça nous laisse, ça peut nous rentrer là, certaines mauvaises herbes là, des vivaces particulièrement. On voit ça dans les prairies, on les voit avec les céréales. Fait que c'est vraiment une partie là, qu'il faut vraiment faire attention. Un soya fertilisé va vous amener une croissance là, de mauvaises herbes qui va être beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide, puis va être problématique dans le champ. Là. Deuxième année de soya, toujours plus sale, mais on a des équipements qui sont performants. On est capable de gérer ça en général assez bien. Puis si on fait du maïs, bien, on le fait sur un bon précédent. Sinon, il y a une mauvaise croissance, puis c'est un maïs qui va avoir tendance à être très sale, à avoir un rendement qui est très, très bas. Merci, Jean-Pierre. J'ai gardé mon temps. Oui, félicitations. je ne sais pas, j'avais une question peut-être pour les participants. En fait, je me demandais si, tu sais, dans le fond, dans en fait, Geoffroy, on va partir probablement aussi le sondage, mais j'avais une question. Est-ce que le fait qu'on dépasse le temps, tu sais, on avait inscrit que c'était de 9h à 11h, mais que finalement, on étire tout le temps un peu, est-ce que c'est problématique ou pas? Question plus logistique, là, mais... À mon cas, enfin, ça se termine bientôt. Oui, OK, merci, Denis. Mais pour les autres, ceux qui sont vraiment comme plus en formation, là, je ne sais pas, il y a Paul qui a peut-être quelque chose à rajouter en allumant ta caméra. Moi, je te dirais que c'est pas problématique parce que quand je sais que j'ai une formation qui commence à 9h, ben, je réserve tout l'avant-midi à ça. OK. Donc, puis je trouve ça intéressant que ça se prolonge parce que aussi, il y a certaines expériences qui sont partagées qui ne seraient probablement pas si ça ne serait pas fait de cette façon-là. Excellent. Y a-t-il d'autres qui veulent rajouter ou quelqu'un qui aurait peut-être des questions par rapport aux rotations de culture? Monsieur Lucier? Bien, c'est idem que M. Adin, là, c'est la même chose. Et moi, je trouve qu'on réserve l'avant-midi, puis ça va bien de même. D'accord, excellent. Merci. Peut-être que j'aurais dû poser la question avant, mais au niveau, y a-t-il des questions par rapport aux rotations de culture? Voulez-vous profiter des fermes témoins? Là? Il reste Mario Lamy, Denis Champagne qui sont là. Avez-vous des questions par rapport à ce sujet-là? Jean-Pierre, je ne sais pas si tu me... Oui. Moi, c'est par rapport à si une luzerne est brûlée au printemps, ou 50%... Ralentis, bon temps période. Le micro est activé. Oui. Oui. Quoi faire? La question est quoi? C'est ça, quoi faire que, quand la luzerne est brûlée, mettons, au printemps? Si c'était une implantation... De luzernière, on peut faire un sursemis là-dessus. Ça dépend. C'est ça que ton micro est ouvert? Oui. OK. Ça dépend beaucoup de vos besoins. Hein? Si vous êtes un producteur laitier puis vous avez besoin de cette de prairies de fourrage, ben ça vous prend comme un fourrage d'appoint là, qui va être semé là-dedans. Si c'était une implantation puis que vous voulez rester en prairie, mais on va carrément se ressemer là-dedans. Il en reste-tu assez? Es-tu brûlé à 100%? Il y a plein de choses qui
qui peuvent être faits. Ça dépend trop de situations là, particulières. Mais, c'est de ne pas toucher au terrain, en fin de compte, puis de semer, donner mieux de semer directement un autre, de repasser pour semer encore du grainage. En fin de compte, ce serait l'idéal. Si en reste, s'il est brûlé à 100%, ressemer directement, ça peut être problématique. Quoique, c'est comme un semis direct qu'on peut faire. Fait qu'on pourrait y aller directement dedans si on est capable d'y aller très tôt là, pour être capable de faire une implantation. Sinon, on repart avec une implantation de printemps. Fait que là, on refait un petit travail, on se ressemme normalement une plante abri, là, une céréale avec la prairie. Si on est capable de la récolter en vert, c'est ce qui va donner le meilleur résultat. Plus on sort vite notre plante abri, meilleure va être l'implantation là, de notre prairie. On peut récolter en grains là, notre céréale. À ce moment-là, avec un orge, parce que c'est récolté plus tôt, et plus on s'en va vers de l'avoine, plus la prairie va avoir de la difficulté en dessous, là, parce qu'elle reste longtemps à l'ombre. Puis là, on tombe dans. Souvent, c'est la période de sécheresse là, qui va être problématique. Si on tombe trop longtemps en sécheresse avant la récolte de céréales, mais là, notre prairie peut ne pas survivre, là, ou en tout cas mourir en partie. Là. Fait que plus on est capable de récolter ou de donner de l'air à notre prairie rapidement au printemps, meilleur va être le résultat de l'implantation. On voit souvent des producteurs qui le faisaient avec du seigle. Ils semaient du seigle à l'automne. Ils allaient semer tôt leur céréales, puis ils récoltaient leur seigle en vert. Fait que c'est la façon dont la prairie va vraiment recommencer tout seul, là, va avoir l'ensoleillement, puis va être capable de profiter le plus rapidement au printemps. Fait que c'est l'implantation des prairies, c'est pas quelque chose de vraiment facile parce que c'est différent chaque année. C'est vraiment la météo là, qui va dicter la réussite. Il y en a qui disent oh, moi, je réussis mieux à l'automne, d'autres c'est au printemps. Souvent, c'est la période, mettons, quand on l'implante, s'il y a assez d'eau, oui, elle s'implante bien. Puis s'il manque d'eau, c'est plus problématique. Mais c'est sûr que plus on attend tard pour l'implanter au printemps, puis plus être avec une céréale qui est longue à récolter, qui est l'avoine, par exemple, là, moins bonne va être le résultat au niveau de l'implantation. OK. Merci. Merci Jean-Pierre, merci. Geoffroy, je ne sais pas si on va faire un test. En fait, on voulait faire, au lieu de vous envoyer le sondage par courriel, on va le faire en direct. Geoffroy, es-tu capable de le mettre à l'écran? En fait, c'est des choix de réponse. Ça devrait prendre juste quelques minutes. Fait que je vous demande, s'il vous plaît, de remplir le sondage. Oui, elle l'est faite. Déjà faite? Oui, rapide. Je t'allarde. Pas mal. C'est un partout. Quand même. J'ai quand même lire un peu. Je m'en ai dit, Martine, c'est pas une bonne idée de parler pendant le. On laisse vraiment le temps. Hein? Je sais pas, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense que c'est correct que les gens se concentrent là-dessus. Hein? Si tu veux nous chanter une chanson, tu peux quand même, Alex. Non, mais dans ce cas-là, on m'envoie dîner, j'ai une réunion. Une réunion après dîner. Fait que bon haut tout le monde. Merci Denis. Je voulais juste prendre le temps de vous saluer de la part de Daniel Lampron. Il a dû nous quitter promptement, mais il vous remercie pour l'activité. Bien, merci à lui d'avoir participé, d'avoir été là.
D'accord. Geoffroy, peux-tu nous dire si c'est pas mal déjà tout complété? J'imagine. J'ai 5 personnes sur 10 qui ont répondu. OK. Mais il y en a peut-être 5 autres qui sont des gens de cette table. Oui, c'est ça. D'accord. Je pense qu'ils ont le temps, on peut l'arrêter là. Oui, c'est bon. Est-ce que je montre les réponses? Ah non. Pas besoin. Excellent. Dans le fond, c'est ça, l'activité comme tire à sa fin. Merci d'avoir été là. En 2 semaines, le 14 avril, on en fait une autre sur la préparation du sol en régie biologique. Il va y avoir d'autres fermes témoins aussi qui vont être là. Si votre inscription n'est pas faite, je pense que oui. Si votre inscription n'est pas faite, je vous invite à le faire sur le site Internet pour avoir le lien de la prochaine rencontre. Et d'ici là, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour nous écrire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis sur ce, bon appétit.